Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota, la biso sur Télé 24 Live, Ezali Ngai Julie, Poyalama, Alekindeki, Toronto, Canada. Tous appelés Naba, invité la biso Bazana ligne, Monsieur Roger, Canada, Ottawa, Pasteur Jean-Paul Moulumba. États-Unis, Washington. Donc, to yende to baki ma solo ya ko solo so ke zali pona makambo etali mboka to koya pona ko solo la yango ba oyo pe bazali na likanisi ya ko pesa pona makambo etali mboka bazala na ba ide boko ki ko benga pe na numero na biso ezali wana 001 416 877 0966. Donc soko za likanisi na yo Obengi na numéro wana. Na rappela toujours ba consigne ya COVID parce que jusque là maladie ezali kaka. Donc faut toujours ko rappeler jusqu'à ce que maladie yango ekosila. Mais jusque là bino mo bozo mona na ba information ba info ba maladie yango maladie ya COVID esile na noté yango tozo rappeler toujours pona ko tali sabato ke fo ko lachete ko lobate ke esilito neti mwa moye bandi neti mwa malile bandi osila boye o neglige ba consigne o ba pesa ki biso te il faut toujours ko continuer ko salela ba consigne wana ko sukula maboko souvent ko lata masque pona bato bazo kende ba misala essentiel biso a na Canada soki obimi lata masque na yo soki ozo ka bien te vanda na ndaku ou soit ok ko sala test ya COVID-19, donc ezala ba centre place ezali okoki kokende kuna osali test na yo ya COVID. Mwana azoyoka bien te azana rhume ndenge ezalaka liboso ezalaki rhume okei ezala subongo te, donc orespecte vanda na ndaku. Nde nalobaki nazobetela ngo sete liboso ezalaki soki mwana azoyoka bien te to mutu moko azoyoka bien te a koki kuvanda na ndako ba misusu ba bimi me eza subongo te soki moko na kati ya famille azoka bien te zana ba symptome oyo ya COVID il faut bino nyonso bosi zole ou soit boke kosala teste ya COVID. C'est ça ba rappelle toujours bolemba te il faut toujours te rappeler jusqu'à ce que to koyoka ke nyonso esili nde to tiki. Donc nazoko copé ça, pasteur Jean-Paul Moulumba, bonsoir. Bonsoir, maman Julie, bonsoir, Ndeko Alain Kindeki, Nakanisi Petozana Ndeko Nabiso Roger, Omo Mesano, Napesi Pembote, Napesi Mbote Pe, Nabalandibanso, Namokoroela, Moro Nzambe, Abatelibusto, Kuta Mokolo, Tokutana Kimbala, Oeleki, Zaka Grasse Mikolo, Tomonike, Zako Stalasumi Bangete, Liwa, kupa ekomi na bato lelo oyo oleka bomo mesano. Donc yango eza toujours occasion ya esengo soki tokutani boye. Merci mingi malobomboka yo mama Julie. Na pesi monsieur Roger, bonsoir. Je pense que tu auras bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, la bande de Gotu Bazo Nandabiso. Merci, maman d'introduction. Malamu. Mbote bele, ma bota, la bino sika bozakuna, la bato Bazo Nandabiso. La moune de la réaction bandi qui a tué l'ambassadeur italien en RDC na moni de komoka zone sur na tuna fachi beto. Voilà, donc na moni déjà batwaza pena na baza pena connecté to beta masolo officiellement côté ya bande ko na biso ya lamuka. Donc ne bon moni titre to beta pe situation na ya RDC alors finalement ndeko Jean-Pierre mais madame Moïse Katumbi bazali susu na lamuka te et to la nay biso sur la vidéo ndeko Martin Fayulu, bolimi ça va de moi va document belé na d'autre temps après na mesa wa Martin Fayulu officiellement donc a viré bana mai ndito ba na pas na biso a viré bango a lobi eza idée té ya lamuka ke bazala ndenge zala ki baza kote mon à gauche kote mon à droite mais pe si polémique et belé to sur la paix en gros est-ce que ça normal est-ce que ça ba excès des ailes ne ba belé ba ko pour la papa na biso kuna ya lamuka voilà.
Tu as sur ma solo. Il y a une vidéo. Moko. Je sais pas ce qui Neko, je vais à quoi balancer. Il y a une vidéo. Moko. Et les autres mots là, mina, dans les réseaux sociaux, belé la vidéo. Wana. Donc, la vidéo, wana, au besoin mon wana, et sa vidéo, oyo, et n'ingi si réseaux sociaux mingi, on a vu que ma vidéo, on a pena minute mingi, mais tu vois que ma zone baswaili, n'a ingana bête à moi, c'était mon kepo na vidéo, wana, au besoin mon équipe tout à l'heure, wana. Ce qui pense ils en a RDC. Je sais que je vais soit gros balancer biso et en gros les sous avant tout continuer pense parce qu'ils en a ils en a swahili hein. Ils en a swahili ce qui exact pendant la RDC. Donc on a lingana betana no moi c'était mon qui est pas na autorité na biso talande bande ko likolo ya ngomba kuna balobi or bato balobalo ka swahili va expliquer biso or ne ezo bima bo ça même creuser ndi bazo zo ngona facilité ni surtout kuna na mboka ya ya biso parmi ba mboka na biso ya na RDC balba swahili donc na ingi pena na kota na ni te menenga to commenter ya ngoma muke so ki penda parce que bo télé 24 biso to linga ba information bende ya source parce que jusque là toujours na lokay na sala tout na kota ba ndeko pe bazana ba mboka kuna so bazana ba confirmation ngo ba ko pe sa biso ngo mais na ingana beta na moi c'était muke na mambo ezo lega na RDC ba ambassadeur ba lokufa. Je pense que la mboka est structurée quand même. Dans moi, le respect, la ressource en Zambie, la pessi batou, il faut quand même dans moi, respect mon bonnet, ni à ça la cause ouango, pendant ouais bah pebe économie en mboka des années. Mais entre temps toujours les dans l'église, toujours les là partout en Zambie ça la, ce qui est appelé la RDC. Ouais les arabes bloqués en Zambie tout ça la RDC. Alors pourquoi pas vous protéger mon coyer bané tout le monde en Arabie Saoudite, tout le monde en Arabie Saoudite, c'est qui va désert hein, les lois comme il va tout tout va comme fier à saler si passeport ne m'ont mis dollars négri, va pas rougir parce que dernièrement ouah, à qui en Arabie Saoudite pour na, bah qui nous vend na, bah structurer quand même moi pétrole moi moi bah diam, or les autres mena bah diam les autres mais moi mon coeur qu'on attend les lombos calendrier comme. Éthiopie on l'obtient aux arabes c'est car bah on a victoire bah aux arabes on a Éthiopie la victoire on a bah au Sénégal bon go, bah les lois Éthiopie comme mi ma casse mais surtout bientôt que nos ressources Éthiopie au monde et la fleur rose ma fleur n'aime tes salles que bon bah mata moi mouké mouké nandé baso commandé ngoala mais n'anga tu commenter n'a pas invité n'anga na banana na pasteur Mulumba n'anga za libosu na biso awa na tindera ki vidéo pasteur omeka tout mes gars ça la moi analyse mouké ce qui pénèse na RDC message ne repose na autorité na autorité capitale. Merci mingi na ko pesa nga maloba pe na peski balandi bas ban sombote bana esomi bana ya Kongo obanda kula na biso na ngonga oyo ezali mawa mingi parce que na kotala kaka aspect moko sanitaire d'abord pour commencer parce que bato bayebaka te ke eza na ba maladi ba recherche salama recherche scientifique ya ba maladi mwa ebele oyo tokoki kozala un peu na mwa liste ya mwa exemple donc ezalina maladie babengi amyotose donc ezali ba maladie moko ezali lié na bato yo bazokene na ba place ba mine parce que place que so mona ba mine na bato bazala un peu moins ba étude normale vous dites que ezali ba place moko ba propriété moko chimique ou ezali peut-être donc na état moko pri donc ezali biloko moko neti ba style cause donc ba maladie ba tangi moi ebele cancer ezali ba maladie neti ya ba peau. Donc, quelque chose peut commencer là et cotisique comme il contagé la population nyonso. Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la légèreté. Mais, dans mon coup, c'est parce que tout ça, dans ma cambo, il y a un peu là. Dans mon cas, que l'État dans ma cambo est belé à tout ça. Donc, on va compter dans les détails. Mais, dans mon cambo, donc, na, chaque semaine, tout ça, ma vidéo, il y a un bouteillage dans le Congo. Tout ça, ma vidéo, il y a maï. Tout ça, ma vidéo, il y a électricité. Donc, le pays a vraiment des problèmes où il s'est dit qu'il y a une insulte et qu'il y a une parce que si on est dans le bois, il y a un peu de temps, 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 en tout cas, il faut quitter la place où il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps.
Donc le pays est là, ça commence à nous interpeller ni tout le monde qui est na mikolo koya beaucoup mona ke tango moto azako linga lo balikambo azako bima dibosu ya batazo loba moi moke bato ba bana opesa yango boto c'est parce que ça commence à chercher maintenant des hommes solutions au bazar quand même na moi connaissance que bana savoir faire qui peut créer donc le bien-être donc au fin fond ezali crise moko généralisée donc nandenge tokota na ba détails mususu donc na lobika na sens na sur le plan sanitaire ça même koloba sur le plan où il y a nini, il y a peuple moko où il y a zali peut-être na identité parce que place wana to ibité donc ils ont un pays moko na ba frontière Zambie encore où il y a na ipé à côté ne sangawana à l'okoti na ya bimi pa ke na ngambo donc on sait pas qui est là donc ils ont un aspect belé ou na ko loba donc malobombo kayo papa papa Roger malobombo kayo vidéo zo tambola ceux qui pensent dans la RDC message ne vaut pas la autorité. Non, de quoi là, vidéo, on a sur Tamboli, question, est-ce qu'ils vont à Congo, tout est à Wap? Bon, mais, ce qui est une histoire assumée, qu'ils vont à Congo, parce que, toi, il y a bien pété, donc, occupé, que, oui, Congo, bon, on va pas critiquer, mais on va quand même faire une observation générale. Mais, il faut dire une chose, ce qu'ils vont à Congo, il y a un problème, de toute façon, dans n'importe quel pays. Parce que, n'a beaucoup à dire, par exemple, il y a ce qu'on appelle la loi Bakajika. La loi Bakajika est claire. Ozomona Elobinini. La loi Bakajika dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ça veut dire que, puisque ça appartient à l'État, pour que Moutou a utilisé en haut, et sengi façon Moroboye, et sengi, loi Moroboye, l'andamba, bah, procédure Moroboye, l'andamba. C'est vrai qu'il y a aussi la loi sur l'exploitation artisanale, il y a matière première. Ozomona. Mais tout ça là est singi que Makambu et l'Andama d'une façon correcte. Otomo Niwala par exemple, et ça des ordres. Mais la vérité c'est quoi? C'est que Otomo Niwala ça la ma peine à Congo parce que les images existent. Tout ça par rapport est belé à Badegé Salami dans Mboka et Bidaba partie belé à Mboka ou que l'exploitation artisanale et la matière première est bomi batou. Tu vois qu'a dit dernièrement, ah, bah, tout ce qui combien, bah, pour ça qu'il y a ma mine souterraine, bah, quand t'as qu'une mine est effondrée. Tu vois qu'a dit boué. Et ils allaient bêler, tout ça, bah, rapport, monsieur, il y a un scandale où on a pourquoi le barème pas, ah, ouais. Ça veut dire que, bah, tu vas couffir par centaines na Congo, parce qu'il y a une compagnie minière, et tu as qui va dynamite, faut pas le rouler, bah, ni va le dynamiter, mine, pour que, bah, on va faire l'exploitation, il y a, industriel, mais, bah, minier, bah, boui, bah, côté na tati, bah, va se barricader, et, Batindi, voilà, Salamaki, il y a plusieurs années, à une époque, il y a Fachite, il faut admettre, Salamaki, avec, de quoi la soeur Akei. Ozomona. Pas dynamité, babomi, batou. Ozomona. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il est important que les lois soient claires pour que, régler Makambouana. Exploitation artisanale et souki wapi et bandi wapi. C'est quoi qu'on appelle l'exploitation artisanale? À quel moment tu recotiques à ma exploitation artisanale? Nalanda inde kongoika sanchalobi, azo poser ma question sur Mbujimayi, dernièrement on a bossé dans la politique, azo explique ma vie, mais niba et bomami poanini. Ya lobi a miba, mais niba et bomami, une des raisons, c'est vrai que les raisons vous souffrent, mon aile et zali, va dire la chose, oh kabila, va salaki na baza Zimbabwe. Mais l'une des raisons, c'est que bango va diamanter, c'était un peu comme une compétition pour eux. Donc pour lui, étant gouverneur, évidemment, il n'a pas fait un gros effort pour que Miba, la compagnie industrielle, Yamboka, ait évolué. Donc il a plutôt privilégié l'exploitation artisanale au Bango. Parce qu'à l'objet, on y est moko. À l'objet, on dit, Naï, en tant que gouverneur, Pena Somba, diamant. D'abord, c'est un problème. Donc, on peut voir là-dessus quelque part un conflit. De conflit, il y a des attributions. Maintenant, il y a un gouverneur, on dit, oui, c'est bon. Toi, il était totalement loin de l'Ovini, n'a pas condamné. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a tout un tas de questions à se poser sur les lois qui sont sous place. Il y a beaucoup à Bissot, il y a beaucoup à Bissot Congo. Tout l'Ovini, c'est pas imaginé dans le Congo. Mais c'est pas un Bissot Peso Salama. Quelles sont les lois? Comment est-ce que les lois sont appliquées? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que pourquoi est-ce que l'exploitation artisanale est là qui problème t'es pendant 32 ans, mon bout, tout l'élu comme problème avec 18 ans à Kabila? Et tout le monde, on a un mot, on soit comme il a été pour le temps, bah, tout le monde, la sac net, il sac à foufou. Est-ce que c'est normal? Au monde,
Mais le comment nous avons fait, on a dit qu'il y a coltan, le sac, on a fait un peu de mignon dans mon Congo. On a fait un peu de mignon dans mon Congo. C'est un sérieux problème, on doit régler cela et nous on a fait un peu de mignon. Merci, papa Roger. Toi qui es dans l'Afrique d'ici, bande de l'Afrique d'ici, bah, comme il y a qui. Bisous, merci pour Balanda, bisous Mingi, pour la situation mais on est dans Cape Town, bandeko basé dans Cape Town de Bakomela, bisous message des alliés Awa, donc message à mon live Benda, mais toujours plus essentiel, balobi, et ça dans Nekomo comme on a écrit Christelle, avant d'aller en Canada, bah préciser t'es dans Vilnini, na mega go ça l'échange naie, na bango balobi azo luka ba identité naie, Nekomo Christelle, elle fait passer neti motuya agence moko comme nango USAID, donc USAID. Ils sont à Cape Town pour un voyage à Canada. À Zibatou, à Kinshasa, à Johannesburg, à Pretoria, à Sangisi Bangonio, surtout ici, à Cape Town, soi-disant, qui a fait voyager, mon bébé, Sali Miko, les bébés, va voyager, je vais perdre mes salles, je vais perdre mes bébés, 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 je vais perdre Bango balobi escroqué mais parce que neto za na ba information te mais ba pesu so message to passer pour balanda biso mingi ke ba zo senga ke ba ndeko ya Canada mo to me ka ko aider ba on a justice ya ko porter plainte mais ndeko ba porter mo to plainte ceux qui besoin ba éléments yo surtout ba photo ba preuve ezali na ba ndeko bo sangani petition bo sali et loko biso peut-être ko aider bino ko déposer petition na bino pour ndeko wana Christelle eza comme mo eza populaire donc tu as évité Christelle Nani Bozoloba, si vous complétez mes informations, et vous allez bien, mais Banda a scroqué depuis 2019. Donc, deux ans où vous êtes dans l'Afrique du Sud, Kuna s'est retrouvé sans abri, Bazola Libanda, situation ça, Pena Malamute, Bazo Sengana Ndeko, à Rosana Bafoto, il y a Ndeko Christelle, au Canada, à PCP Vilité, Bissot à Toronto, Toulouban, on l'a reçu sur l'émission, et Sili. Donc voilà message to pesi pour na bande ko na biso ya Cape Town. Voilà, merci dossier da to tiamo pemeni to banda toujours ko rappeler yango na ba émission na biso soki bo pesi biso be ba élément mususu. Voilà, neto sa na goma to tele magana goma wana. To zole la makambo ya ba rebelle, ba milice, ba nini ba tindele biso photo oyo. Mais na yebi ke vidéo musu e salami pona ndeko o wana bomoni ya mapinga azali colonel soki colonel comme na ye colonel Rusimbi babie alali saki ba de colonel o baza kote ba milice na ya groupe armé Bwira et puis da groupe armé comme ba tu Bwira et puis désiré pour 120 jours ba je pense que ba ni nezali ya ba après ba retourna mené nini bandeko batindele biso même ba ba voilà neti o ezali batindele biso neti o ezali recouvrement donc ndeko wana batiki kutu somme ya $12,000 kuna na hotel kuna na Goma pona ba million mi ba konze ba milice nde colonel o yazaka kote na biso alalisaki bango kuna je pense que ndeko je veux soki ako balancer biso sous document mususu ya ezali surtout dans mon endroit, bah documents et belles awa évaluation y a constant plainte pour Anthony Nino wana mais bandeko oh y a far DC balobi ils a charnement ils a l'occulta bah loco c'est là bahou makambo mais entre temps bah moni bah conversation oh yo ndeko na biso wana colonel Rusimbi alago sala na bah milice wana et puis hôtel wana zo ko reconnaître que il faut ndeko colonel obo moni photo wana fa devoir bango $12,000 na banyongo sala ki 3 mois pa na wala lisa bandeko je pense des charges ya hotel wana ezali voilà merci ndeko Gervais voilà yango wana oyo colonel wana alalisa ki ba milice o bayaka ko bundisa kuna na mboka na Goma kuna colonel wana alalisa ki hotel ne pesi ba monter ba mongo zo bozo mona Nenge et zele kakuna na Goma. Voilà information le ki mais nego Roger to banda siko na yo voilà loko bo colonel azola sa ba milice na hotel kuna na Goma pour quelle raison d'abord ya ko la sa bango so ki za ki même ata nini passe ba rebelle ou ba ya ko boma kote na biso l'air ne so pourquoi wo loger bango kuna na hotel na Goma mal bamboka pa nde ko la to lo banano ke makambo eza hotel ezali
relation privée naé. Mais relation privée, milicien Azali, d'abord, on a une assumption que Makambo est à solo, parce que nous avons évité les informations qui sont aujourd'hui, totalement, tout limite au commenter là-dessus. Alors, supposons que l'information est correcte et que, étant correcte, Neko Oyo, à Salian, on a l'audité, les animités, les Alaki, à Salian, on a un côté ou quoi que ce soit. Supposons que c'est une relation personnelle. Est-ce que c'est une relation personnelle, Neko? Milicien Azam Moutou Oyo que Azali Moutoua Bokangami. Azam Moutou Oyo Azali criminel na Congo parce qu'Azo Bomabatu. Yo Azali Moutou Yafaz, ça veut dire FRDC. Ça veut dire quelque part que tant que vous êtes un milicien, vous avez travaillé dans travail un ennemi. Quand vous travaillez dans un ennemi, la loi est armée. Il y a un mot qui est allé pour condamner un mot. Ça veut dire que quelque part déjà, il y a un élément criminel, il y a un élément il y a pénal là-dessus. Ça veut dire que Mouto a coopéré, qu'on follow la carte, tant qu'il n'a pas été que. Parce que la vérité, c'est quoi? À l'Est, là, tout le monde le sait. À l'Est, là, tout le monde le sait que ces gens, Bazali, coopérer, les gens de l'armée, Bazali, coopérer. C'est une des raisons pour laquelle on a l'insécurité à l'Est. C'est parce que, effectivement, l'armée est pélée. Donc, coopérer na milicien et zali surprise et son salaman, n'a pas de l'émission na yo, personnellement, n'a pas de ma solo, n'a pas de yakuna, balobi n'a pas de bite, boui, n'a pas de détail, t'es na ni ni nao. Ça veut dire que, et ça coûte te hôte, est-ce que tu conseilles mon macamouté, et zali ya solo. Parce que les preuves sont là, par relation à Batouana et zali, n'a pas de kouana. Donc, alors, est-ce que vous allez dans la situation Wana? Mais ce que vous allez dans la situation là, ça veut dire que quelque part, l'armée doit enquêter là-dessus. Parce qu'on ne peut pas accepter cela. Ça veut dire que pour qu'on dit, mais en réalité, l'armée doit nécessairement enquêter là-dessus. Alors, toi qui n'es moussika, toi le backer, a été armée et yébakité, tout est armée Wangani. Armée lobique, bah, moi, bah, y'a pas qu'il a monté, ma, solennez, ça, soloté. Mais est-ce que complicité, encore une fois, y'a pas officiel, n'a biso, y'a armée, ok? Et belé, n'a est, n'a pas milicien, n'a pas tout, bah, oh, t'es topé, n'a pas, bah, ADF, n'a loup et tout ce que tu veux. Est-ce que c'est une surprise aujourd'hui pour des gens? Est-ce quels sont les militaires, les gens de l'armée, que aujourd'hui, oh, yo, n'a pas tout, y'a qu'on a sanctionné? On n'a sanctionné personne. On a sanctionné personne, tout le monde sait, les noms sont là. Un des rapports les plus officiels, Yamboka, encore une fois, un rapport mapping, qui donne des détails, qui donne des noms, qui donne des dates, qui donne le nombre des victimes. Oh, Bazali, bah, victime, il y a coopération, il y a Makamoyo Salamana Congo, entre autres, pour une raison, il y a coopération, il y a Barkarmé, Nabiso, bah, généraux, Moussous Armé, officier Moussous Armé, bah, lieutenant, bah, nani, n'a pas tué, bateau, supposé qu'on bouge ça. Et l'autre, Moussous Salamate. Donc, ce rôle, il y a un côté, Moutoumor Armé, Azouaki, Azoui, a logé, bah, milicien, même des colonnes, c'est normal, n'a pas le roman. Comment on se monte à la qui est YouTube, YouTube ou Google, comment? Ok? Autant la ville, il y a Goma, Google ou Vira, Google ou Lobby, Kiseni. Ok? Dans la ville, on a Nyon, ça tout autour, on a. On a un Nenge Tongami. Mais ils ont commandé un petit poteau. Mais maintenant, ils ne sont pas sur ton. Au moins, on a battu le Rolando, à Bindako, ils ont un commandant tel, commandant à sa milicia. C'est-à-dire que, dans le sein à fond, a commis Mouta, sa contre-armée. Azo Bunda contre FRDC. Mais Azananda ou Nambana n'a qu'à Tiagoum. Voilà la révélation, mon nom. Voilà. Azananda ou Nambana n'a qu'à Tiagoum. Donc, Bayebani, aujourd'hui, il y a deux ou trois jours, l'armée congolaise a fait une déclaration officielle. Pour dire quoi? Balobi que non, ils se sont rendus compte que. Il y a même la Katia Beni, mais il y a des gens, la Katia Beni, la population, la résident à Beni, ils allaient coopérer dans l'ADF. Alors, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit? Donc, en fait, le problème, c'est maintenant de se demander quel est le niveau de renseignement tout ça. Même ceux qui renseignent, je te parie que renseignement, il y a dit que Moutoutel a sali. Dans l'hôpital, Makamo va le à solo. Mais je te promets que les renseignements ont toutes les informations. Dernièrement, Armé Lobakiango, Bachi Bassabalobi, Balbassali, déclaration officielle, la porte-parole.
Avec Bayeri, Macamoui, Bélé, Sosa, Manakati armé. Ok? Akel Bissika Rabat. Mais puis, non, Bouyeri, Macamoui, Samakati armé, Bozo, Kébissa. Bon, pourquoi ne pas arrêter? Je suis en train de compagnie, Bayeri, Koyiba, en accompagnant Babanakato, il dit, Moutouaz, Oyiba, Awa, mais Akira Oyiba. Tant Oyiba, la compagnie, il faut la Kangayo. Autrement. Donc, quelque part, toutes ces informations, au moins, ça a l'air du sensationnel, mais c'est des choses que les gens connaissent, des choses que les gens, c'est officiel, c'est écrit, les rapports sont là, les Américains ont des rapports, la MONUSCO a des rapports, le ambassadeur à Koufia, parce que je pense qu'ils en ont un point là. Mais il y a tout un débat là-dessus, tout au sol là en haut. Donc, quelque part, il ne faut pas qu'on se dise que, oh, Tozomona, et ça va surprise, non, c'est reconnu, mais qu'est-ce qu'on en fait, Ndekonangaï? Tozomona, au moment où tu as là, bah, on fout à 12 000 là, bah, les solopé, Sili, ceux qui 12 000, c'est combien qu'on leur doit, les solopé, Koufi, bah, on fait Sili, ok, commande de générique, colonel, ceux qui lieutenant là, on m'a tapé grade, ok, bah, on peut continuer d'en haut. C'est clair. Donc, il y a un rôle, ben, moi, je ne veux pas que ce soit une surprise. Merci, Toti, que je ne vais pas passer. Moulumbakuna réaction na yo pona ndibandeko oyo tiki nyongo na hotel nan donc nyongo nan je pense que eux ils ont préoccupé batuna na yango wana 12 000. Merci mingi kozong c'est langa maloba na landi ndeko na ngai Roger na bokebi nyoso omoni ezali likambo oyo tolobela yango na forme moko générale avant kokota na fond ezali kambo ya forme na ndenge régime échangea ki. Il fallait qu'il normalement qu'il y ait des signaux forts parce que tout le monde est chef de l'État n'a pas réunion moi et Belé n'a pas agent de l'ordre police toute tendance confondue n'a armée mais je crois que c'est un peu donc la surface peut-être au bazar au timo la vraiment ma camona musindoté et aussi les alliés partis pe à nini à juger nini mandat naé surtout les Kambwa estoyo c'est vraiment donc une histoire à prendre au sérieux. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les alliés et les Kambouyakotal, en tant que Congolais, nous sommes fatigués de cette histoire. Donc, après Vezakoutouté, donc on a fait tellement des échanges, des atrocités. Ozomona, le même jour, Oyo, ça a été un article à Liboso, pour n'en ni mort, il y a ni ambassadeur. Le Belakipé, donc, Nakate, à Parc, à Virungawana, donc, on a perdu à peu près sur les 600, on a perdu 200 Congolais au Bagarda à Parc. Donc, la perte, donc, Mati, donc, la perte du Nani, Nina, Yabatu, na Congo, et ça, il est surtout, na partie à Est, où l'homme n'a plus de valeur. Donc, ça, c'est ce que je peux d'abord dire. Mais, côté armée, Nabiso, l'armée, nous avons beau crier, et l'emplacement du chef de l'État, la constitution, lui donne carrément, donc, c'est bien d'être chef suprême, le commandant de l'armée, mais il faut aussi qu'il directement, il fallait destiner au fort. Dans des ans, même si on n'a pas eu, le temps de faire de bouger, donc, des mouvements côté économique, mais peut-être, toi, nous, le baquet. Et Kabila a laissé, peut-être, Babilo, qu'on aille, parce que par Kabila, c'est pas l'homme. C'est le système qui est encore là, parce que, au monde, abattu, nous avons les yeux braqués sur Kabila, comme étant, peut-être, croyant que Kabila, donc, en tant qu'homme à Longwe, mais toutes les racines au Kabila Tikaki, même avant, y est, donc, tout ce qui est venu après la guerre des, donc, Yanini à 94, et Zana Congo, donc, il est l'eau. Donc, c'est là où vous allez trouver. Et une autre chose aussi, vous allez confusion où de temps en temps, où tu es barrapement ou l'obate, que l'armée est infiltrée par les éléments rwandais, tout dit. Mais il y a aussi les éléments moussous où tout le monde qui barrapement, ce sont des éléments où il y a banane, il y a baoutou, qui sont aussi venus, dans l'armée, qui ont changé de nom, ils ont fait tellement de choses. Donc c'est un travail de profondeur qui nécessite que les Congolais, bas à la vraiment, donc, ini et qui est aussi la bonne volonté, parce que la bonne volonté, on a un monde, on a les lots, même quand nous avons peut-être été invités dans l'émission, on a parlé qu'on avait suivi ce que donc la RFI avait parlé, ou bien Nini France 24, ou bien TV5, parce qu'on questionnait bonne volonté, parce que quand les gens questionnent la bonne volonté à président, ce n'est pas lui comme homme, Félix, quelle est ta volonté? Donc c'est l'État congolais, la volonté d'éradiquer donc le système où il y a l'IWA où ils ont gratuit, où ils ont implanté dans l'Est, et sans témoins, et des fois aussi avec témoins. Mais nous ne sommes pas là pour chercher à dire qu'il y a assez. Il faut quand même l'élo, Makambo est ici, là. Donc, on est tellement complaisant, et c'est un système tellement connu. Et au monde, on a dit qu'ils allaient, et après, peut-être, au côté de Moudindo, elle est toujours Makambo ambassadeur, parce que, vous voyez, crime organisé, il y a un crime, et comme peut-être, donc, il y a peut-être aussi
na ba institution ya mboka bo komisi ya mondire mode ya vie. C'est ce que nous vivons au Congo là-bas. Donc, faut kouta na soda. Donc, il faut soda à ça là où mabe parce que il est payé par l'État, mais au même moment, il y a danger pour la population. Donc, au même moment, donc on peut dire aussi que l'État est en train d'héberger les bandits et c'est un État aussi qui fait les banditismes. Mais donc, c'est vraiment regrettable donc, de voir que les choses se présentent de cette façon. Si vous ne voulez pas être taxé des complices des banditismes, donc, il faut carrément exposer ces gens-là et par la première occasion. Donc, il y a un accord au Loba. Merci, Malobombo, Kayo Papa. Merci, Pasteur. Entre-temps, toujours c'est la suite. Pour Mbo, la mission de Roger Lobby et Toyebi Nengezalaka. Mais moi, je trouve l'invité où ils ont m'amené au Lobara et NT. Je pense que Ngala est le président de Nyos à côté de Mboka. Et là, il y a un peu d'Afrique où ils ont armé. Je pense qu'il faut structurer l'armée venant à l'âme. Pour le bateau, il y a un peu depuis que RDC Bani au Chandiba, Bani Zad, même tête où ils ont dirigé Mboka. Parce qu'ils ne réussissent même pas à faire une armée, à diriger l'armée. Mais Mboka, il y a un peu de confiance en moi. La révélation est en Mouana. Nous avons tonga à Mboka, mais nous avons été bundés. Mboka a été détruit. Mais nous avons tonga après sa confiance. Nous avons dossier à Boué. Je pense que l'État, le président de la République, face à la loi, il a été aussi sa dossier à Boué. Il a été détruit. René Salamaki, tu as dit que RDC a été chassé. Mais tout le monde attend, mais ça, la maca, autorité, il y a militaire, tout ça, tout le monde a mis la RDC. Facha promet à Bissot, base de Fouza à Koto, na Kishasa plutôt. Base, il fallait aller dans l'Est à Congo. Là où les macamounes sont très au ban. Donc on dirait que toi, la bosse, il y a un habité, il y a Congo, il y a place où il y a Vanisuko. C'est ça le problème, tout le monde a raté la RDC. Donc, toujours de la suite pour Mamba Congo, les Arabes, ce que c'est l'Ali et l'Ali. Tu changes de dossier, tu connais Mamba Moussous, tu connais Mamba. Et là, tout le monde a été en train de la RDC malgré ma mené les bandes. Le député, quatre danses dans la carte, il y a Yanini, il y a Nina Parlement. Moi, je suis au Koufa, mais député, je suis au Koufa. Moi, je suis au Koufa, député, je suis au Koufa, il y a 15 millions pour l'intérêt personnel. Je suis au Koufa pour la RDC. Voilà, biso tous les tous les rapports n'ont pas été bien ouverts en Mboka, mais Congolais pe, tous les attaques en Zambie, ouais, ont pas été biso armés bien, ni ni que tout défendre Mboka la biso, armés la biso tous les rapports n'ont pas informé bien nos yango. Congolais, facha ouais, biso bien notre qui n'a pas souffrir tout ambula, sauf le biso c'est la grave ouais, et le biso n'a pas de comment tu l'as dit, bah ni na abi, tu risques si quoi, ma côté à la minerai qui, tu risques, na ma belle ya kosu ya kolona, bah banda bah t'es déjà bien bien. Bani toujours le gâteau et bape et effectivement bah terrain ni nos bateaux de bande. À qui qu'il côté on a payé bah t'es comme un biso déjà. Donc c'est ça. Facha yé a vendu peuple congolais biso fait autre vendu des cabines. Facha vendu Mboka. T'as qu'au temps on a mis ça puis tous agi dans Mboka wana. Tant toujours bah moi deux trois personnes au bazolia bah on a toujours contre bah moi mais après Kolia Facha Olongwa. T'as qu'au son à même côté na biso sur autre zali. Situation la bine ozana nene. Voilà. Bato ba irita ba monga mobutu. Lelo basa nango. Mwanda mbo kutu yo ozo zwa. Lobe oza suse pa na yo. Peple Kongole to fungo la miso. Tota la loko la bandeko na biso ya ba egyptien. E ba bandeko msusu ba araba sala. Ba telemi. Ba bengani na bato ba mindele ba che. Ba impose mutu na bango moko. Omo na mboka yotambola bien. Soki to telemi te ka na ba bloka ba parti priyo. Na moni ndeko mwa komi. Tala nene. Na suku da sana wako kapti de krana bombi. Alobi. Toti ga makele le po na ye. RDC na Rwanda. To zana problem te. Empo. Api ache empo. Emba. Esili. Do po na ni ba na pouvoir. Rwanda zan su na problem na bisote. Me bozo da se rappele. Ya chita bi. Set fasi. Na tambole partout. Ba yu singa ke se ili Rwanda. Rwanda mtezo bo mamboka. Bokangela ngaye tozung se wapi na Rwanda iska hute. Mambone hute pa ya Etienne Tshisekedi. Me lele bot bokom na pouvoir pa mutola na tendance bozo comprendre na le babo yebi sikazali. Ke lelo Rwanda toza a problem na ngote pona yi. Totika ba ngotika facha diriger mboke za bien. Merci. Tozo se la suite wale za ki mo entre parenthèses bona kosolwa. Totika gara kote ya est kuna Congo to mona ki bisulo na ba image ambassadeur ya Italie,
biso nyonso tokondanaki yango akenda kosala kuna nini Luka Athanasio babomi ye na este ya Congo bato balobi verse bimi gouvernement congolais niye lobi bango bazalaki au courant te ndeko wana face ala kuna na est bato ba déclaration ebimi ebele ebele et tomoni ndeko fashi yake kotala famille wana ane question nanga na otu nanga mpe bapase mulumba est ce que za touche nde bato bazoloba parce que oza na famille ya UDPS oza na famille ya saya Etienne Tshisekedi ya mulumba ambassadeur ya kufinda Italie quel que soit le problème bango batinda ki ete mais ba lettre bimi ba preuve bele bimi ki ba signa ki ni na ye na Goma kuna maloba mboka. Merci mingi. Je crois que tozoya ko solola makambo pona ko matsankita na niveau ya raisonnement est un peu basé sur ba preuve. Ba biloko ya ba réseaux sociaux les lieux commis un peu les ont dit et qui t'a un peu koyeba ya moto. Ils ont vraiment angle togo kenelité mais ce que nous pouvons seulement chercher à souligner les ali ba signe de temps. Ou ils alaka normalement liwa ya moto ni ambassadeur na kati ya mboka. Ils ala ba signe moko malamu mingi te. Donc on peut pas chercher les sorciers mais tout le total donc liwa wana les ali donc causer nini donc les ali pending nini donc pour la Congo. Donc, ne cherchons pas les sorciers, chasse aux sorciers. Les agabamanais, vraiment, gros superficieux, n'est pas bien, on a droit. Donc, nous ne croyons pas vraiment à ça. Du moment que tout ça, qui n'a terrain, puis tout le monde, vraiment, va prévenir. Et on ne peut pas aussi commencer à dire que c'est Félix, ou bien Zali Kabila, ou bien Rwanda Ndeboumié, ni tout ça, on va itéra, moi, tout ça, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est un peu trop, vraiment, donc, au-dessus. Parce que l'histoire qu'on renvoyait, Bissot, les agabas, histoire, moi, quoi, un peu trop approfondie. La 1961, R. secrétaire yana ni Nations Unies, Azala qui a battu na nini donc avion naé kuta kiango donc abattu à quelques mètres na nini dola ils allaient ville moko pene pene na frontière ya nini ya ni Lubumbashi kuna. Alors il devait se rencontrer avec Moïse Tshombe à l'époque et il n'a pas vraiment donc à Koma quitté et quand il est arrivé là battrier donc il changea quand vraiment la donne. Et les acquis vont moi bah c'est tous moi et Bélé. Alors Babilo Komoko ils ont la commandité un peu au-dessus même il y a la nation Nabisso à niveau intelligence Nabissoté ils ont un peu à niveau l'écolo et ça prend même des années malgré que le pays peut connaître donc bah vérité mais on nous dira toujours pas bah, moitié vérité donc bah 6000 ans au pays donc depuis Congo ils a Congo donc ça s'est répété encore en ambassadeur ou à Koufaki la 1993 au et à France au Babeta qui massa c'est juste avant qu'à rentrer à FDLEA. Donc, la plupart des fois, ils arrivent à la position, mingi, ou batoubazouaka, ou batoubazouaka, ou ils s'arrêtent à commis un élément gênant, et bah, règlement des comptes est salamaka, bah, sabotage est salamaka. Alors, à voir comment, dans quelles circonstances, notre, comment dire, des konabis ou anakoufi. Donc, c'est vraiment regrettable parce que tu vois qu'on a vraiment essayé un peu d'effacer les tableaux. Donc, moutou, ou azala qui garde des cornaillés, ou peut-être encore, mais l'abisso témoignage, donc il y a quoi peut-être et avant Baya ils ont la kindé il a été aussi effacé donc au Monipé autour il y a Liwa il y en a il y a secrétaire des Nations Unies il y avait à peu près 15 personnes au Bakoufaki et on a même calciné leur corps donc bah au coup dans la colle il y a chemise naie Bakoutagi Bazobe en Osugi as donc ni moko signe moko ils ont la qui collecte quand même que donc il y a une main derrière cette mort là donc la maman Oyo qu'on peut pas appeler moi si donc il a été trahi par ma proche naïe donc osomona kezali au même moment et lokomoko interne ezali pe lokomoko boyo bango moko bakoza bayebi makamuni babongisaki oyo babongi donc oyo ebimi peut-être liboso na biso te avant ya kende mobembo na ezalaki nini mais eloko siko to souligner parce que toyaka apport na biso zaka plus pour la construction l'apparition et donc bon fonctionnement à l'état pour naïe bimisa la bonne gouvernance au fait donc le problème c'est où on a la mona a toujours après l'incident où la leçon à tirer si on doit venir comme analyste donc c'est quoi c'est la coordination à l'opération d'abus entre services d'abus de sécurité où ils allient co dépendre directement là bas ministère régalien donc il y a peut-être affaires étrangères il y a intérieur na ministère à défense, oui. Donc donc au moni bah ministère wana même bah ministre là bango ils allaient au ministère Mungu na Congo
attends si j'ai autre chose à discuter les bosso oyo il y a roulé que non bah trois heures ils s'abattent nani boyer trois heures ils s'abattent bah rebelle bah nani donc tout ça c'est ça tombe toujours dans le ministère mis ça toi donc intérieur affaires étrangères donc la défense donc le ministère on a mis ça toi là il a tarapé que parce que l'affaire étrangère les a pour représenter bien au Liban donc un ambassadeur azam mutu azam dire président Liban ya mboka défense c'est ça pour ça là. Donc, mis sous la carte Yamboka pour la sécurité, la carte Yamboka. Intérieur, la même chose. Mais tout ce monde a peine à intérieur, Rwanda, entre autres, donc, tout le monde a qui n'est pas ministre, Bima qui va lobby, chacun à son tour. Il y a une affaire étrangère, Abimi, à lobby, que non, voilà. Donc, ma piste en interdiction et aussi, Bazolo Baker, tout une question à intérieur, intérieur, lobby, parce que la police est dépendante du ministère intérieur. Et normalement, l'ambassadeur n'avait pas vraiment donc, l'autorisation. Par le bien chef, il y a sécurité, il y a ville, il y a Goma. Il a dit qu'il ne savait même pas qu'il y a dans la Kiwana. Mais bah, donc, document est venu, si Maïso prouvait qu'il y a dans la Kiwana. Les documents sont venus après, parce que c'est là où il y a la mauvaise foi, parce qu'on manque. Donc, Bazoko Sanani, parce que. Et là, il y a l'Italie, il y a Sobana Yamboka. Donc, il y a un moment, quand une déclaration est faite, le document est venu. Et quand les documents sortent, Bazoko Laksake, itinéraire, il y a qui chasse Goma. Et après, on a dit qu'il devait s'arrêter là. Donc, il ne fallait pas qu'il n'ait pas côté Wana, il est parti lui-même. Donc, tu sens qu'à chaque fois qu'il y a une vérité, il y a une demi-vérité. Donc, la théorie est à moitié donc, vide, non, à moitié plein. Donc, la guerre des gens intelligents et intelligence tournée à côté à Mabé. Donc, ce sont des choses que nous ne voulons pas, surtout pour Namboka et Tambola. Parce que, tout qui vengeance est lié au Salama ou bien représailles et qu'on salaire un peu néfaste. Parce que, tout le salaire, tout le monde qui est à Yélé, tout ça. Et nous ne savons pas qui, à quoi donc ça va retomber, ce qui va venir ça la répli. Parce que, l'Iwa Yamoto, Batouna Batouna respecte à Batouna Bango. Au Mouni, l'Italie, Ndenge Bazaki mobilisé. Et ce qui est aussi à signaler, na Batouna Bazo Landabiso, nous avons vu là-bas même pas la présence ambassadeur. Na Mouni Koutoubande Komongo Bouye, au Bazalaki, Tamoussi ba vidéo, Awa, Bakendeko représenter Congo. Le Congo est devenu un pays compliqué. Et tu évites un peu qu'on employe l'objectif, Moussous, parce que, quand tu vas chercher à parler d'autres choses, donc Oruluka ou décrit Yango na dengue moko peut-être Yaruluka te que effroissé bah pendant que le mal est déjà là ça n'a pas de mots. Donc s'il faut qu'on zoome na nini nabiso ou donc aux questions yotuni qui l'a tué, je crois que la question là c'est il faut aussi que les gens sortent pour dire comment dans quelles circonstances il faut enquêter ça là-bas parce que bango ba italien Moutouana Azana Valère Yaba Congolais atta 2 millions Bakoufa. Bango, ça, ce n'est pas leur problème. Dobino Sobo, réclama Makamba Batuna Binote. Bango, Pona Bango, Moutouna Bango Akoufi, c'est vraiment un problème. Et je crois que dans les jours à venir, Tokomona qui vont chercher que la lumière soit faite sur la mort de leur confrère. Donc, c'est ça aussi, donc, enseignement patriotique. Oyakomona qui est na Congo, nous ne sommes pas aussi là pour se protéger parce que. Les sourds oreilles que l'État fait, la complaisance au Tukotanga Wakeno. Bon, prenons ça aussi d'une autre façon parce que le président Lobakike a coélire domicile naé, na Est. Quand même qu'il ne peut pas aller là-bas, mais je crois que parmi la priorité naé, il fallait Ezala donc place ou Anna donc. Donc, un président ou un chef de l'État ou un gouvernement ou l'État congolais, sa première mission c'est de sécuriser. D'abord les peuples, aussi la sécurité alimentaire, la sécurité donc aussi sanitaire, la sécurité sur le plan de ma plan yonso. Donc il y a un pour les bakonzi. Les bakonzi ne viennent pas. Et chez nous là-bas, l'insécurité est comme une point que on se demande maintenant qui a les devoirs de protéger les gens dont la mort est distribuée. Et c'est à ce point-là qu'on va chercher à rentrer na Oyabiso parce que tous en a tant mingité à perdre, il y a Oluka Koyeba, nani abomi, nani ambassadeur. Parce qu'il y a des gens qui doivent répondre à ça. Ce qui est mis sur le plan donc, juridique, avec des preuves, là, on va venir maintenant chercher à spéculer ou bien pour ça la banalise. Mais Bissot, c'est aussi quelque chose qui peut nous enseigner, les alliés pédagogiques, dans le sens que Congo n'est pas Zawana, il faut tous à la Batumoko, donc c'est un mal nécessaire parce que le Congo a tellement crié. Les dossiers qui entrent les mains à Dr Mukwege, dossier Naïe, quel est le rapport? Parce que c'est le même ministère des Affaires étrangères, où tout le monde a besoin de tourner la France 24. Quel est son plan donc, pour matérialiser donc, le dossier au docteur Mukwege Zanango ou à Zanaba prévient Moro parce que Mukwege, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça. Azui,
dans la période où déjà, il avait des cas où il y a un centre, il y a hôpital, et il a vraiment, c'est même dans la côte, et ou bien devant la juge. Donc, il y a un peut dire aux gens, parce que, à l'objet, il y a un discours, il y a un objet, il y a un objet, il y a un arme, il y a un objet, il y a un bébé, même il y a une année. C'est bon de voir que c'est un bon discours. Mais quelque part, qu'est-ce que les autres salariés n'ont pas de thème, il y a un conditionnement. C'est ça ce que nous devons aussi chercher autour il y a ambassadeur. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est la priorité? Parce que 24 mois en ligne, je crois que donc nous devons ensemble avec le peuple, parce que comme si nous étions sur la bouée, l'État congolais monaké, il faut qu'on se dissocie na bango. Ce sont les mauvaises personnes. Ils sont contre le gouvernement. Pendant que ce n'est pas ça le cas. Batunyo soyo, bazolo ba oyo, les gens sont prêts. Il y a ça la même antifilature, ça la même. Donc, quand même l'intelligence à Congo, utiliser les Congolais pour n'amour qu'un abus ici Kolama. Donc, c'est un peu ça que je peux répondre autour de l'Iwa et Aneno. Merci. Entre temps, tous allons monter la ligne. Kuna, allô. Oui. Allô. Oui, tous allons d'ailleurs réaction. Oui. Ndekwale, bonjour. Tout d'abord, maman Julie Ndekwale. Papa Simon, pasteur. Na ligne a complété Oyo. Pasteur Aouti Koloba, Pasteur Moulumba, et vraiment, elle a raison. Il a complété sur Monsieur H. Ouazaki, deuxième personnalité, il y a secrétaire général, il y a ONI. Donc, il y a de là qui se doit. Et mission Naye Oyo Akendaki, na côté à Rhodésie, dans le monde de Rhodésie, il y a Nord, il y a Ngoukoma, Sikoyo, Zambie. Pour il y a là qui problème, il y a Katanga na Congo, donc en 1961, Oyo, Bayayi ko tire avion naye, na ezalaki secret, ezalaki tout d'abord mission secret ya secrétaire général. Mission secret, ezalaki à quelle heure, ezalaki à 0h, et pas ya Moïse Tshombe. Alors, mécontentement wana ezalaki, ya ba français, ya british, et puis na ba belge. Yango et Poussaki, Bakende Koboma, deuxième personnalité, na Oya, ya Nations Unies, na côté Rhodésie, na Katanga. Et c'est la même cause unie et aligne, cause et aligne, minéré. Et c'est le même problème, Oyo, ambassadeur, Aéroku. T'en dis que cause Yango, est-ce que c'est là qui mission secrète, t'en évite, mais c'est là qui mission privée. Pourquoi privée? Donc, peut-être que cause à la mission secrète, Bangomoko bayedi. Oyo bazali ko sala makambu ya ba minéraux wana. Ce sont des multinationaux. Ils sont multinationaux. Na katanga bandoko wela nini na 61. Ba minéraux. Eh na Kivu, eloko ni bazako wela. Ba minéraux. Eh ba yindi yango bien que Kivu est la zone rouge. Ba kené ko sala nini. Donc il y a un secret na niveau ya niveau ya ba multinationaux. Na ko do exemple moko typique. La période ya UTPS oyo abanako senga Imperium toyoka ki te ba multinationaux ba banako senga île de Matéba. Pourquoi oyeza na ba Congo ba yebi ke intérêt ezali wana na kati et toyebi bango. Donc en bref toyebi mort ya ambassadeur te mais yango nde est ressuscité yango na ko couvrir pasteur Moulumba oyo ya mort ya monsieur H oyo akufa ki na 1961, Yango ayeko résisté, la mort ya ambassadeur est résisté déjà monsieur H po ela ki ça ba multinationaux nyo surtout au bazali ko bunda pona mboka ya Congo et bientôt to au monde ngo ba ko dévoiler ngo ke ezali banani ba ko tanga yango. Donc le processus ezali déjà na cour. Donc au moment na zo ko loba la mort ya ambassadeur Yango est résisté déjà Monsieur H. Ouazaki, deuxième personnalité, secrétaire général. N'arrête pas à compléter, pasteur Moulumba. N'a point trop eu à la démission. Merci, Nego Roger. Intervention, quelque part, tout le libre ming, 12 millions de morts, tout le libre rapport mapping, réaction exacte. Lélo, Ndeto Bagale, Sizé Nalinga, Lélo, Moutakala, Lélo Pende, et à côté, à Est, Monani, na Onus Bagago étouffé. Quelque part, malheur, babi, zara, hermo, malamu, na situation, comme la qui ambassadeur, ou italien, en Boka, ya, Goma.
Non, Ndeko Alain, je pense que Golobiango, Moutounios, Nalandi Pasteur, Jean-Paul Alobiango, Nalandi Pende Konabisa Bengi, Alobipe, Apesima, plus de Badi, Aïmoussoussou. Comme on dit, ce que vous allez prendre, c'est Makambo, Nyons, comprendre le remords. Premièrement, c'est que le problème est un problème sécuritaire. Mm-hmm. Et quand on parle sécuritaire, on ne parle pas forcément à la conflit armée. On parle aussi simplement d'intérêt au Yéza sur place. Voilà. Et le remords, un gros homme, la Simana, le Yéza, Bouendeko. Comme on dit, ce qu'on l'a dit officiellement, et là, on dit, photo ni tozomona. Photo tozomona, ambassadeur à Kendaki, Kotala, dans le programme alimentaire mondial, et patapam, à Kendaki, Kotala, Gémo, Banda, Kotala, Mokol, Mokoboye, Mamonie, dans la photo, Namabana, et tout ce que tu veux. Mais le refoyer, c'est ceci, c'est quoi? L'humanitaire, généralement, est une couverture pour tout ce qui est sécuritaire. Mm-hmm. Donc, tout est faux au monde, va projeter une humanitaire quelque part. Tout le monde est bien, dans les zones de conflit, il y a toujours beaucoup de programmes, va projeter une humanitaire isolante. Il y a un peu de la crise aviatique, va minimiser, va bien. Pourquoi est-ce que nous, on a 5 avions, il y a 5 avions. Ou bien il y a 5 avions, il y a farine. Qu'est-ce qu'il y a dans ces avions-là? Parce que quelque part, la plupart du temps, l'humanitaire est toujours une couverture pour le sécuritaire. Pourquoi Nazolo va vous rappeler? N'a expliqué un tout petit peu. Ce qu'on t'a dit, des copasteurs, Jean-Paul Alobiawa, effectivement, c'est dans les news, c'est ça partout dans nos nouvelles. Moi, si Nahé Alobi, qu'on nous a trahis par quelqu'un de proche. Ce qu'on va quitter sous le Congo, Balobani, il trouvait les limites, tout ça, là, toujours, erreur, hein. Non, t'étonnes pas, dis même pas que l'ambassadeur était là. Premièrement, bon, écoute, c'est déjà un problème, hein, quand un ambassadeur se déplace. Non seulement, Kobosa, supposé que, oui, bah, mon voyage ambassadeur, Nyon, son Akatia, Yakatia Kongo, hein. C'est-à-dire que son ambassadeur, à quoi, Liana Pullman, il faut que, bah, Liana Pullman, il mange avec qui. Parce que, n'est-ce pas, Ocholoba, la vérité, l'excès là, c'est que les ambassades, tout le monde sait, et que, l'ambassade nous disait, c'est traité, ambassade, ils ont la mingi, mingi, bah, point de contact, il y a intelligence, il y a pays. Ambassade, tant qu'on va venir, ambassade, on était chargé de, comment on les appelle, attaché militaire des États-Unis, tout le monde sait, il y a l'Iwaï, entre parenthèses, dans les camps, l'Iwaï, il y a papa Kabila, Laurent Désiré. Mais comment attaché militaire, il y a États-Unis et Pima. Donc, les ambassades, tout le monde sait que c'est quelque part, c'est toujours le point de contact, il y a un réseau, il y a ça, mais ça, et tout ce que tu veux, tout le monde le sait. Et c'est comme ça que nous, en tant que pays, on a contre, bah, raison, on a dit contre intelligence, il y a contre-espionnage, il y a banane, et tout ce que tu veux, on est supposé savoir là où l'ambassade est. Donc, l'ambassadeur est. Quand on nous dit, par exemple, que non, on ne savait pas que l'ambassadeur était à Goma, tout le monde sait que c'est faux, mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est d'abord une bêtise de ne pas le dire si publiquement. On est supposé savoir que l'ambassadeur était là. Au moins. Même si lui nous l'a pas dit. Et de nœud, ok? L'ambassadeur est tenu. L'ambassadeur, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui calati, Kaboul, Aboumbania, Matin, Action, Moro, Boaking, abîmé l'aéroport. Donc on était supposé savoir que l'aéroport, l'ambassadeur prenait l'avion à l'aéroport de Djili et que son avion l'emmenait à Goma. Et quand il est arrivé à Goma, qui est venu le recevoir à Goma? Donc on veut nous dire que l'ambassadeur d'Italie était à Goma, le maire de Goma n'était pas au courant, le gouverneur n'était pas au courant. Mais on a un problème. Alors on s'étonne que si c'est vrai cette version-là, je peux dire que c'est faux, ok, mais si c'est vrai cette version-là, est-ce qu'on va s'étonner officiellement qu'on a tout ce qui se passe à Goma là-bas? C'est-à-dire que tout ça, donc pas soir, il y a rosa arrêté, si on ne sait même pas que l'ambassadeur est en train de se balader quelque part. Donc, et là, on a expliqué ça pour essayer que la vérité, c'est qu'il y a énormément de dessous de cartes, il y a Masolo, Oyo, Oyo, Kezolo, Bamate. Et il y a énormément de dessous de cartes, et Bélé. On a fait ça, et là, on a fait ça. La Bible, pour ça, quelles sont les conditions avec lesquelles Babomela Kindeko, Mamadou Ndala? Pratiquement les mêmes. Est-ce que bah il est suda comme Mamadou Ndala, est-ce que l'autre y est pas, est-ce qu'on a le solo, hein? Et pourtant tout le monde sait que c'était pour des raisons militaires sécuritaires. On a arrêté certaines personnes, ceux qui disent ils devaient être au procès au Sukawa, puis ceux Bakanga à Batuasolo et tout ce que tu veux. Mais la vérité c'est que tout le monde savait qu'il y a eu et il y avait des grands enjeux sécuritaires. Namliwa, il y a Mamadou Ndala. Et il en est de même l'ambassadeur Athanasio Akufo. Il y a des enjeux sécuritaires nakatia. Mais quels sont ces enjeux sécuritaires? Pourquoi est-ce qu'on va aller attaquer un ambassadeur qui est supposé entre guillemets, je précise entre guillemets, entre parenthèses, entre griffes, ne bande comme sous à l'obata, ok?
qui était supposé être dans un petit voyage humanitaire à voir comment est-ce que va Kaboli Bataka l'osson orphelina moro quelque part, programme alimentaire, on est ça à Mandegeni. Pourquoi est-ce que des voyous étaient des bandits armés, ok, qui ont attaqué l'Anglo-Coulo, qui voulaient enlever, parce qu'apparemment, Valinga d'abord enlever Bangonios. Pourquoi est-ce que Batouana, Bazalaki, pratiquement, parce qu'on nous dit que c'était quoi, 30, 40, 50, disons à moins de 100 km de Goma. Et pourquoi le l'ambassadeur n'a convoi n'a ne c'était pas un convoi armé et les gardes de Virunga qui n'étaient pas très loin. Donc il y a énormément de questions à poser. La vérité c'est quoi? C'est qu'il y a eu quelque part une bavure de tous les sens. Ok, il faut que Makamone est élucidé, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a énormément de disputes de cartes au Masolwane et Bimé Abouté, c'est que mais ce qui est vrai officiellement, et l'autre qui se trouve c'est que Ngenge Bandeko Balobiawa, ça met en lumière simplement le vrai problème de la sécurité à l'Est. Le vrai problème, il n'y a pas de sécurité en action à l'Est, ça veut dire qu'on inclut l'armée, on inclut la police, on inclut nos services de sécurité. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Comment des miliciens, FDLR, comment des miliciens FDLR peuvent être à moins de 100 km de haute de Goma? C'est un problème. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit se poser comme question. Moi, j'espère simplement qu'on aura des réponses à ça. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que l'Est du Congo, là, doit être pacifié. Donc, on connaît les gens, parce que ça, Makambouana, Deko. Bayebani, Bakombo, Zali, Bayebipango. Jusqu'à quand ça va continuer? Merci aux questions Ali, mais pourquoi Fatia Azolobela ngote? Il y a un autre loba na débit, na vu que le président ne se soit accoti mis sur les armées à tia bateau bako travail na ye net a toujours mon Azoboya va premier ministre l'air ni surtout mes côtés armés côté wana Azozong c'est la mission qu'a bateau bazaï déjà va depuis quand? Mendeko Fatih est président. Écoutez, premièrement, je veux dire une chose. Il y a beaucoup de sous de cartes. Il faut trouver exactement c'est quoi. Mais je crois que si nos services de sécurité sont certainement en train de travailler dessus pour savoir Makamouni et Zolekana. Parce que comment ça a été? Fatih est aujourd'hui président de l'Union africaine. Mm-hmm. Mais les gens ne se rendent pas compte c'est quoi l'impact de la présidente de l'Union africaine. Nous avons fait un exemple. Il a dit ce Bolanda qui discours n'a hier ou avant-hier. À l'Obini. Ce sera lui de représenter l'Afrique parce que Nava G7, Nava G20, dans tous les sommets internationaux, il y a une moutarobandoro qui représente le Congo. Mais n'oublie pas, l'Italie fait partie des G20. OK? Les grands pays, les 20 pays les plus industrialisés et tout ce que tu veux. Je pense que l'Italie fait partie aussi de G7. Donc, alors comment tu vas t'asseoir avec des gens pour expliquer, il y a tellement d'hypothèses de Roro qui est énorme, mettons qu'il y a une hypothèse à ma pénimité, peut-être que ça peut profiter à Fatih parce qu'on va à Roman à la table, à Batouanios, les réunions vont se passer chaque année, Bakoutana. Donc, Bakoutana, d'ici là, au Yoka réunion à G7, et aux assertainements virtuels, Fatih sera là. Ça veut dire que Fatih pourra dire à Binomo Boumoni, Moutuna, Binomo Raoutou, qu'on ne fait pas d'abiso. Si on trouve Soukaneli, Nalikamboa, j'ai besoin d'aide pour finir cette histoire. Ils sont prêts à aider. Pour essayer de régler cette histoire de l'Est. Le problème, c'est que les enjeux sécuritaires à l'Est sont tellement grands, Nekonangaï, que aujourd'hui, je pense que Moutounio Sajongoping d'Afficelle Nandengenaï. Cette histoire, il y a ambassadeur au Fatih, c'est-à-dire que le gouvernement congolais peut l'utiliser dans son avantage, n'a pas plaidoyer, n'a pas au niveau international, il y a pas réunion sécuritaire, il y a pas réunion comme sécuritaire, les autres à discuter. On peut l'utiliser à notre avantage pour dire on a un sérieux problème à l'Est, vous avez vu ce qui s'est passé, et voilà pour avec tout ce que Masolo, Bionangato, éviter par exemple, Robetan. Tel copain va tout soit retournant au contre-biso. Pour dire, ah voilà, donc tu sais bien que Congo a est-ce qu'on a projet national ici, donc le problème maintenant, c'est que c'est à nous de l'utiliser dans l'avantage du Congo. On verra comment est-ce que Fatih va l'utiliser. Si tu me dis Fatih n'en parle pas, je pense que bon, il faut quand même qu'on se le dise. Il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il a fait les gestes qu'il faut dire, qu'il faut faire. A-t-il dit ma représentation en Italie, qu'il nous fait sa condoléance d'un gouvernement italien? Il y a quelqu'un qui a été reçu en Italie pour ça, officiellement. Il a été voir la veuve et n'a discourné à l'Obi. Il en a parlé deux ou trois fois. Il n'a pas cité que l'ambassadeur, il a cité le garde du corps, il a cité Mustapha, le chauffeur, et tout ça. Donc, quelque part, je pense que il a fait ce qu'il devait faire. C'est un peu que l'eau, comme on a conclu rapidement, et l'eau, comme on ne peut pas reposer. Il n'est pas dans notre intérêt de garder cette histoire sur la table. Fatih Abed, on dirait que comme il est solo, il y a 30 jours, il y a 40 jours. Non.
ça va pas fonctionner parce que ça risque de se retourner contre nous. Donc je pense qu'en tant que pays, il faudra qu'on prenne nos responsabilités, qu'on avance et que on peut régler ce problème là. Et je pense, à mon avis, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et là on a volé. Merci. Donc information rapidement avant tout côté la maman Italie la Moka. Côté à PPRD, bah sportif il y a PPRD va décider de retirer kimono et à pouvoir il y a Chadari et va investir coordonnateur Jimmy Ngalassi. Donc information là c'est quand même beau sizenga là c'est quand même beau ganabiso magamuza la etambola ndengezali. Donc on a information côté bande la PPRD n'a pas pu se retirer les grandes choses qu'on a sur la PPRD na côté na bande ko ya PPRD ndeko Ngalassi. En tout cas bonne chance. Lamuka, je pense que toi aussi c'est dans Lamuka et puis tu peux ça moi nini va poursuivre il y a consultation il y a ndeko ozongi la biso na moni voilà na moni ma père bele bengia je pense que toi vous rappeler biso après Lamuka décision donc autour le basico finalement ndeko Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba Bazal Soussou, la Moukate, Martin Fayoulou, coordonnateur, a décidé que Bandeko Wanami Bale, Bako Zalate, tantôt Kotoyo, tantôt Kuna. Batba interprétant mon bébé, ça c'est Martin Fayoulou, opportuniste, Martin Fayoulou, Malbembo Kayo, Pasteur Moulumba. Merci, Minginagoz. Donc c'est la maloba normalement Makambo Italie ba groupement politique ya Congo et ça ba groupement moko o isa un peu en tout cas basé sur ba notion moko otomoni quand même na ba groupement musute donc partout au monde. Donc ils ont pourtant un objectif poursuivi na chaque groupement parce que une partie politique rôle lango ils allaient ko conquérir pouvoir peu que exercer yango. Mais nous voyons au Congo il y a un peu une donc disons moi, confusion sociologique, ou comme on a un moment donné, nous allons voir que, donc, Batoiseau, ça là-bas, alliance, et dès que les alliances se font, au moment où l'alliance soit créée, nous avons tout le monde, la coalition, aux hommes, les loyaux, et ça absorbe la vraie vision d'un parti politique. Au fin fond, il fallait que tous à la hommes, normalement, décider, ils ont un siège en haut, et aussi, s'il faut faire les statistiques, les membres en haut, ça va nani. Ils croient en quoi et qu'est-ce qu'ils sont en train donc de chercher. Donc, ils reprochent au régime actuel quoi et qu'est-ce qu'ils veulent, comment donc rénover demain. C'est ça un parti politique. Mais nous voyons comme si il y a un peu moins confusion en haut au départ et d'autres parce que parlant de ces problèmes sociologiques, même l'IDPS aussi en soi, et voyant selon la fondation, il y a IDPS. IDPS était né dans le cadre Moko et à revendication où il s'est là qui est vers les années 82, donc il y avait une lettre qui a été adressée au maréchal à l'époque pour cesser un peu d'être donc quelqu'un qui est donc one man show ni tout le monde en anglais, donc Kazakh avancé, donc avec une dictature donc totalitarienne. C'est dans ces contextes-là que l'IDP s'est boutamaki. Maintenant, pour qu'il y ait multipartisme, qu'il y ait aussi donc partage avec Yannine, il y a ressources naturelles à Congo, qu'il y ait tout ça, bah, comme nous sommes sur le bio. Mais, ce que vous avez la question, où il y a un parti politique, où il y a tout ça, la Sikoyo, le contrepoids au parti qui est en train de mener les choses aujourd'hui. Donc, nous ne savons même pas, donc, la naissance, il y a chacun, et où ils sont aujourd'hui, et place ni Bazokine. Donc, c'est difficile un peu, il y a ça un peu moins banalise parce que c'est plus la représentation, parce que, voilà, qui si, image Moko Awa, et quand, vous balancez Kiango, je me suis mis un peu à penser parce que PPRD, par exemple, c'était un parti fictif. Ou Batoubache qui n'a moutou, que voilà, c'est un parti qui existe. Mais au fin fond, la racine, PPRD n'existait même pas. Parce que, talaga n'espace bon mouke à temps ouyo, comment donc ils ont perdu l'équilibre? Parce que, ils n'avaient pas la base, ils n'avaient rien du tout ouyo, basako défendre pour la rouloba, que voilà, nous sommes un parti, même étant au pouvoir. L'IDPS aujourd'hui, étant parti au pouvoir, au Monique, ils en ont fracturé en bateau et au bateau, ça l'a toujours rappel. Donc, rappelez-vous que c'est ça la mission qu'on devait chercher à atteindre. Donc, l'objectif, c'est celui-ci. Donc, la Mouka, en soi, et Botamaki d'abord, pour donc, les scrutins, donc, aller peut-être se prêter main forte autour à la scrutin. Alors, ils sont restés
comme au Congo, c'est toujours un problème à rivalité à leader. Donc, le leadership, qui a aussi souvent, moi, bousculade, il y a assaisonnement, il y a ma tribu. Et ça aussi, des fois aussi, au Komona. Donc, les gens se font des chantages. Donc, ce n'est pas une surprise comme on atterrissage autour de vivre le loyo. Il y a comme on a que chacun tire, donc, sa ficelle, donc, ficelle naïe à côté naïe. Parce que nous revenons à ce que Ndegonara Roger Lubaga esprit à mon pao. Les Congolais n'acceptera jamais d'avoir quelqu'un devant. Et c'est ça aussi le grand problème. Donc, nous voulons, nous avons cette notion-là des hommes forts. Et même en dehors des institutions, nous sommes dans l'opposition. Chacun veut que son homme fort continue à demeurer. Donc moi, je suis du Bandundu. Moi, je suis du Kasaï. J'ai besoin bien d'être derrière Fati. Et moi, j'ai besoin d'être derrière Fayulu, Mouzitu. Et Moïse Katumbi, je ne sais pas c'est sur quelle base que les gens les choisissent. Bourlimbi Samouké. Alors, ils ont un peu passé pour analyser. Mais les gens, comme on dit, les gens qui sont avisés, nous devons nous attendre à des choses comme ça. Et si nous ne faisons pas attention, d'une manière anticipative, attendez toujours qu'il n'est pas dans la banine, il y a union sacrée. Cet esprit-là, il y a Moutunion, il y a tiré ficelle, là, laissant les intérêts, il y a peuple à côté. Donc vous allez voir que pas plus tard, et Gobanasu Kosalama, parce que nous sommes déjà en train de voir ça, donc dans l'horizon Moko. Donc dès que le gouvernement est Kobima, c'est lui qui ne sera pas dedans directement, à Rouluka. Donc, sept becs, donc, Lobalobara. Donc, aux autres chats, les colonnes, on a six mains. Pour nous, comment continuer pour l'examen contentement. Donc, les résultats qu'on a aujourd'hui, il y a Martin Fayoulou qui dit que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba se sont auto-exclus. D'abord, sur le plan juridique, je ne sais pas quelle plateforme, mais on a la Mouka, ça avait encore quelle forme au Congo. Constitutionnellement parlant, je ne crois pas que c'était une plateforme qui allait continuer les lois à la don. Je crois que les gens ont continué à se péter main forte à un moment donné pour avoir les lignes communes. Donc, c'était ça. Ils ont cherché peut-être à un moment donné, comme les autres se sont réalisés, Tomé Kampé pour changer ma position, mon bouquet. Alors, les autres doivent rester. Donc, ils ont dit guerre, il y a un objectif. Mais comme ce n'est pas basé sur l'intérêt du peuple, ils allaient basé sur positionnement et leadership d'abord, et aussi au même donc, règlement des comptes, mécontentement. Donc, il y a un donc, le Congo a des partis politiques à peine que données changées et limoué. Donc, tous les partis qui étaient satellitaires dans la période à Mobutu, aujourd'hui, ça n'existe pas. Pour les mêmes problèmes sociologiques. Parce que les gens font ça dans l'objectif Mokoboye. Quand il devient un peu moins visible, donc il ne peut même pas abenga Batumusun à côté parce que même les directoires, ou bien on peut appeler ça comment, Mouzitu et Nani, Nananina Fayulu, c'est quelle forme d'exécutif ou Isaokinola. Tu sens que tout un chacun tient au rotatif parce que les Congolais n'ont jamais été prêts à être vice de l'autre. Ça, c'est dans la mentalité des Congolais. Donc, et à la fin des comptes, à moins peut-être Bangolo, peut-être ils ont peut-être d'autres affinités, mais vous allez pas étonner que le Moni Soussou, Mouzi Toupé, Alubi, en tout cas, Ngana Moni, le Rouen, Abimi, Simon Touté, Ngapé, Nabimi. Donc, un problème sociologique qu'il faut vraiment vite régler parce que Mboka Nabiso, il faut apprendre ma méthode Moko scientifique, il y a bien. Autre chose, on a Mboka Moustou, sous président des États-Unis, à servir. Donc, sous coulisses, c'est quelqu'un qu'on a envoyé dans le Grand Lac, c'est quelqu'un qu'on faisait ceci. Donc, pourquoi servir une nation sans toutefois être aussi une personne qui est toujours Mopao, comme on le dit là-bas. Et les Mopao sont nourris par les acclamations, ils sont nourris par les gens aussi qui les soutiennent de l'autre côté. Donc, c'est ça un peu ce que nous pouvons voir. Donc, à s'attendre à beaucoup de séparations dans l'avenir et aussi à beaucoup de fractures. Donc, c'est un phénomène tout à fait normal. Ce n'est pas étonnant. Merci. Merci, papa Roger. Mais quelque part, Martin Foll, il a raison de renvoyer comment on appelle ça, la Mouka. Parce que c'est la cause, tantôt l'union sacrée, tantôt la Mouka. En tout cas, là, je suis pas très d'accord avec. Parce que certains Faïs Fayulu est vraiment en train de faire beaucoup d'erreurs stratégiques, à mon avis. Et je pense vraiment que quelque part, les gens qui l'entourent, ils ont quelque chose à penser à Malongate. Pourquoi? Parce que, premièrement, quelle est la structure de la Mouka?
qu'est-ce que c'est la Mouka? La Mouka, tantôt, on nous la présente comme une idée, comme une vision. On dit que c'est le peuple congolais qui est derrière et tout ce que vous voulez, c'est bien. Et de l'autre, c'est vrai que c'était une idée qui avait été un tout petit peu structurée. On avait un présidium et tout ce que tu veux avec des gens. Et des gens qui se sont adhérés d'une façon volontaire aux Omona. Et ce n'était pas Elouromoro que la Longoli Bangona. Parce que la Mouka, en fait, n'existe même pas dans les faits. C'est comme des Kualobi, il n'y a pas quelque part au bureau, il y a Nani, il y a la Mouka, au bureau, bon, ça n'existe pas. Donc tu prends l'espace parce que ce n'est pas une structure réelle, tu ne peux pas non plus qu'au long de la Batobi, ton longolibino, ton auto-exclu. Exclu de quoi? Aux hommes, c'est un problème. Et de deux, quand tu exclus la Mouka de Nani, nous rentrons même à l'idée même de la Mouka, qui est une vision congolaise, des gens qui devaient se lever pour essayer de regarder quelque chose. La Mouka n'avait aucune coloration. D'un point de vue religieux, dans le monde un peu la Mouka un peu au début, à Makamamama, au Lemji. Aux hommes, on a dit, on a dit, donc, quelque part, c'est la chose et son contraire. Je pense, à mon avis, qu'encore une fois, on est en train de tomber dans le fait que notre frère Martin Fayulu est vraiment en train de plus agir dans le sentiment, dans l'état d'humeur, que réellement mettre les choses sur place. Parce que là, Martin Fayulu, je l'ai toujours dit, des Kolangaï. Je dis, moi, je pense que Omani Fatshi, je pense qu'il remercie énormément Martin Fayulu, mais il connaît la puissance de Martin Fayulu dans le sens qu'il a voulu le positionner à ce qui n'est pas son or. Il a mis tous ces gens de côté. Il a dit, mais non, là, parce que Fatshi ayant passé plusieurs années dans l'opposition, connaît l'importance de l'opposition. Et il a positionné Martin Fayulu dans cette opposition. La minute, c'est totale image politique congolaise, mais qu'on a ok? Qui est réellement dans l'opposition maintenant? À part la MAPAM, Martin Fayulu. Parce que FCC, on ne sait même plus où ils sont. Parce que le FCC, on ne les considère pas comme l'opposition. Martin Fayulu, Fatshi l'a positionné réellement comme l'opposition. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette balle qu'il lui est donnée, qu'il est en train pratiquement de la perdre par erreur et amitié, mais qui est très stratégique. Quand tu dis que tu exclus Nani et tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu les exclus au Yébin des politiques, même si ça sur le terrain. Tant mieux le Bimba Longwa, Nani Longwa. C'est-à-dire que lobby Batouana et Avi ensemble, Batouana, membre ensemble, n'est pas des Kovalobi, au Longwa. Donc tu fais perdre la moitié de la substance d'une vision politique auquel beaucoup de gens adhéraient. Donc quelque part, ce Kenao Musika, on a l'impression vraiment qu'on est en train de tuer cette histoire de la Mouka. Et dans l'autre sens, c'est ceci. Tala bien, observé Ndeko Langai. Qui fait plus de bruit dans son parti politique entre Ndeko Langai, sur Martin Fayulu, Ndeko Langai, sur Mouzito. Mouzito est en train de multiplier événement là, il y a bien un monde je ne sais pas comment ils appellent, matinée, tout est nini, on est à nouvel élan parti là. Mouzito est en train d'installer son parti. Et si on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait plus, on ne sait pas. On ne doit poser question, bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand on est au Congo, on peut même ici, on ne peut pas partir. Les membres d'un parti ne sont pas d'un parti, un grand parti. Non, ce n'est pas parce qu'un parti a 1 million de personnes de membres qui vont nécessairement gagner. Ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas les 1 million de personnes qui votent, seulement eux. C'est la population qui vote maintenant à un point. Baponi Moutou, sans pour autant être membre de ces partis-là. Aux hommes, partout va prendre Fatshi Bahira, Bataille détesté. Donc, rentrons sur ça, le point c'est ceci, c'est que, décidé en cet instant-ci, ok, tous ont été battus, quel niveau d'organisation va ça là. La Mouka, eux-mêmes ne savent pas, est-ce que Martin Fayulu a finalement envie de transformer la Mouka dans une sorte de plateforme politique ou parti politique où il va se mettre en chef de file de ce parti. Moi, je me dis, il a beaucoup de chance, encore une fois, en cet instant-ci, que Mouzito est vraiment en train de rester à côté de lui pour Mouzito même se met un tout petit peu en retrait. Mais je te promets quelque chose, Mouzito, à un moment donné, va faire, comme on dit en anglais, va faire son move, c'est-à-dire qu'on sent un mouvement, dans le sens qu'à l'action, il y a parti,
il va faire ce choix. Moi, je te promets quelque chose, au moins à un moment donné, Mouzito déjà dans le discours d'Aé, Mouzito n'est pas aussi radical que Ndekolamso Martin Fayulu Azali. Mouzito n'est pas trop aussi radical. Il reconnaît premièrement que Fatih est président de la République. Lui, il dit simplement, dans l'opposition. Lui, c'est ça son avance. Mouzito, c'est ce qu'il dit. Il dit, il a dit clairement à France 24, dans la TV5, à l'Odaka, nous, on les reconnaît, mais voilà ce qu'on leur demande. S'ils veulent qu'on les... nous, on n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème à reconnaître Fatih. C'est plutôt Ndekolamso Martin Fayulu qui est vraiment à l'extrême de quelque part. Donc, je pense qu'à un moment donné, on verra Mouzito faire son propre chemin. Mais qu'est-ce qui va en rester de Nani? Parce que l'eau qu'on ne faut pas robot, ça va. Bien que l'on a entendu le bas que les partis politiques, les membres ne font pas gagner forcément un parti dans l'élection, mais au même moment, le corollaire n'a pas pesé à solo, c'est-à-dire que la popularité ne te fait pas non plus gagner. Il faut savoir transformer la popularité en électorat. Mais la minute, j'ai l'impression que le mouvement Nyonso et Ndekolamso Martin Fayulu, ils ont aliéné, c'est-à-dire qu'ils ont l'ongola parti à électorat. Et ce n'est pas correct. Donc pour moi, il est en train de faire des erreurs stratégiques très, 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 très graves. Bon, tu as Ndeko, toi, en 2021, on est à 2 ans des élections en 2023. La minute, Ndeko, l'information de l'état-major, ça va être stratégie à Robin Dabatou, pas à séparer Batou. Donc pour moi, et là, on a Roro Loba, il y a Liboso, Nalobi. Pour moi, c'est une erreur stratégique. Si c'était en fait, président de Moutou, ou l'ingé non m'a cité. Moi, c'est mon père du Maranaï. Mais c'est là que Nenaï. T'as ma tia bien à la sous-saté. Tu comprends? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un rendez-vous de la boye? T'es, Akenda n'a pas eu un Akenda. Est-ce qu'il avait forcément besoin de le faire? Pour moi, c'est une erreur stratégique de sa part en ce qui concerne l'électorat de l'Amouka qu'il est en train d'aligner, de diviser. Il n'en a pas besoin parce qu'il aura besoin d'eux en 2023. Premièrement. Deuxièmement, blague mon engna le barabine des remorques, pas fait ça, il blague mon insécurité, un engna pas fait ça, mais là, il y a couvre-feu, hein, c'est matin, il ne faut pas respecter couvre-feu. La 21, il n'y a pas en son engna, vous éviter. Merci. Merci, Nego Roger. Comme dans le souk, ça a émission de M. Alélo, côté la mouka, ne tout le bas, on est que Moïse Katumbi, d'après Martin Fayulu, na Jean-Pierre Mbemba, auto-exclué, na la mouka. Ndeko, dernière question rapidement. Ndeko, Sama Lukonde, Premier ministre, a continué toujours la consultation. Qu'est-ce qu'on attend? Et puis, tant que la consultation, il y a ni bazo sala. Pour tout le monde, il y a un peu de temps. Le nom de la ministre, c'est Yébana. La place au Vanda, c'est Yébana. Il y a un peu déjà. La consultation, ils ont continué. Il y a un temps, il y a un peu de grand. Et là, on a un peu de là. Après la consultation, il y a un peu de ça. Premièrement, le Congo est un pays qui a un paysage politique très complexe. Au second moment, c'est-à-dire que nous tous sur Aliana, nous au moment peut-être au moment en termes de nombre de partis politiques, nombre d'adhérents, mais Azali influence ma casse dans l'arène politique. Nako c'était le Congo moko, Mbuzani Amis. C'est des gens. Ils sont allés, ah, ma membre est combien? Elle est un membre, mais dans le milieu politique, il est très influent. Heureusement. C'est-à-dire que Moutabon est fort sur l'ANAI. Oyate, on était dans sur l'ANAI, parce que Moutabon a autre chose. C'est-à-dire que Liban, le paysage politique étant congolais étant très complexe, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs politiques qui sont très influents, il y a des partis politiques qui sont très forts, il y a intermédiaires politiques qui ont joué le jeu dans la minute pour que tout comme la situation tout le temps dans le lot. Ces gens-là, il faut qu'ils aient intérêt à mon papa. Politique et à commerce. L'itier lié. C'est-à-dire que, ma ramion, sur nos hommes, on va choisir tes papa. Tu comprends? Quand on a la yé, on a signé, on a vu qu'on a continué en sacré, il faut bien appeler des lourds. La politique, c'est comme ça. Moi, je me rappelle ma première année de droit. Mon professeur, à l'époque, Nani Komori Kimingaï, je vais me rappeler tout à l'heure, on a Komodaï.
Ok, avec ce monsieur le Romorin, à tout le monde, pourquoi est-ce que beaucoup de temps dans la politique, on trouve ça à cours à sciences politiques. Bah, d'après ce monsieur, il est académique, scientifique, habité, et ça là. La vie politique est à caillou. Les gens boulot, on a télémis à tout le monde, on a le cabou, on a ça la larme, on a 20 secondes, on a classé, c'est ça la raison politique pour laquelle les gens vont en politique. Mm-hmm. La gestion de la cité, c'est vrai. Ok, mais on veut gérer la cité parce que tout l'indique que ça allait rien pour que non mais on va plus en parler parce que ça pour une politique de charité c'est bien évité. Donc la vérité c'est quoi? C'est que tous ces gens là il faut savoir les classer. Il y a un gros moment à bannir. Comment est-ce qu'on va se retrouver? Même des occasions même d'acquérir la charité. Il faut m'expliquer que non, bon, qu'est-ce que tu vas trouver? Aux autres camarades de réseau, non, nous on est prêt. Nous chacun est prêt, à aider. Donc ça sera très complexe. Ok. Ça prendra le temps que tu prends, et dans le contexte politique congolais, on n'a pas 2, 3, 4 partis, on a 300, 400 partis politiques, ok? On a des milliers d'acteurs politiques qui ne disent rien, mais maintenant, on a CST, on a Bouifo, Solana, Bango, Bakengo, Atondo, Anna. Incontournable. Bien qu'à fin de la titinée, il est peut-être jeune, mais il faut lui parler. Tous ces gens-là, il faut savoir, on va s'appeler par mon tesoro, on va s'appeler par mon dengue à l'opi, Ezali, net, il y a la maman qui l'est, maman, on a posé dans le soukolango, ma belle n'a kati, moi, on l'a été tout quoi qui. Ah, soukou salé, on va qui l'est, merci, ma belle n'a kati. Merci, papa, passe Moulumba. Comme Etienne, Ezali, le peuple d'abord, 2 ans, il est qui, des intikali, consultations ont continué. Kombo Etienne ndem zezo kende mboko zo kweya na Kombo Etienne Tshisekedi ya Mulumba maloba mboka yo poto sisemisi. Merci mingi na ndengo pesingai maloba makolo deje se tombwami ezali Nkondo Etienne Tshisekedi asali musala na ye parce que eloko nde tomona ka mabeza yango wana confusion entre bozako luka bozwa parce que incarnation na loba yango ezalaka vraiment teke na bomoto boye to juger ndeko Félix à base ya donc ba makambo papa salaki ou bien ba sacrifice ya amenaki donc lui to salaka ngona émission moko wa tolobaka comment il s'est démerdé pour na komati na place à komi wana. Bon, il y a aussi des choses à encourager oyo ezali facilité donc. Même quand les gens parlent de négativité de temps en temps, c'est bien la critique, donc art et à critiquer Zaranango Eze. Mais ce n'est pas aussi si facile qu'on peut le dire. Mais de l'autre côté de la manche, c'est quoi? C'est quand la paix aspect à peuple. Donc il y a un moment qui n'a soukane n'a aucun impact, n'a contradiction, aucun de projet. Nous, quand le big commerce, c'est allé, j'ai un intérêt, oui, mais pas dans le cimetière, n'est-ce pas, Congo. Donc, ma pays n'est pas Botswana wana. Ils ont aussi des politiciens. Donc, parlons même pas de l'Europe. Tous les n'est pas pays n'est pas Namibie aussi ma pays n'est pas Kenya tana ni l'Afrique du Sud. Au coup t'as même bat tu baies l'histoire là bas. On place bas outil. Au coup t'as bat tu baies bi kende tous alaga tous alaga na boumbu. Donc, si quoi il faut vraiment tout ça là tout que non tout que la paix ma génération koya ma kamoko malam. Donc c'est dans la conscience ali prise de conscience. Donc il fallait table rase moko salama. C'est tout ce que moi j'ai toujours eu un peu à cœur, qu'Endeko Félix a joué de son poids, donc qu'il puisse arriver vraiment à imposer, donc va bien en offrir empreinte. Donc, imposer, parce qu'il a les pouvoirs, c'est ça les pouvoirs, il y a quand même qu'on change la cour donc, de l'histoire. Donc, qu'on change même culture, où on a commercialisé, bah, parti politique, parce qu'on dit les jeunes hommes à chaud, d'ailleurs, il y a Yambaki, Patunit Balbert, Yuma, qui viennent donc l'imposer, ou bien. Excusez un peu les termes, mais ça qu'on imposait. Donc, il vient lui dire qu'il faut vraiment tenir compte d'un homme d'affaires. Mais quels sont les hommes d'affaires qu'on a au Congo? Et il y a un secteur où il y a eu Mazalaki, donc il a été déjà une personne, na ombre moko, donc ce sont les mêmes gens qu'il est en train de concerter. Donc, le malheur est celui-là, que Tozo Longolaka Bavarez, Tozo peut donc changer la couleur Nango, et on s'attend que l'équipe Wana, donc, Ezong et Labissona Barésitant. Donc, c'est à notre frère Félix de trouver quelle est la méthode. A changé un peu moins culturel et à ma BO parce que, et là, comme nous sommes tous là qui n'ont peut-être cessé, n'a été sur question, on a tout ça qui, tant à Roulobé là, et là, comme tout ça qui peut-être à l'encontre, acte à Jean-Marc Abound, mm-hmm. Parce que parlant de Tien Tshisekedi, je vais peut-être mettre un peu donc la lumière là-dessus. Mm-hmm. Moi, c'est que j'ai vu ça, et là, on a tangi par exemple la psychologie de l'homme qui a créé l'embouteillage. Na Jean-Marc Abound qui venait. Donc ça m'a donné à réfléchir sur l'homme congolais.
Donc, ce n'est pas un agent donc il y a sécurité. Comment il est descendu? Mais il faut autant que les messieurs faisaient ça sciemment. Les Congolais sont arrivés à un point que Bazawana donc Babanga sur le côté, donc Bako créer un embouteillage, à foutre pas côté, à foutre pas amendité. Donc il faut regarder quelle a été la réaction à Moutou et qu'est-ce que les Congolais attendent. Parce que l'entrée à Moussa Kabila, il y avait l'autorité un peu à bousculer un peu Batou na taxi bis, pour réduire le nombre de taxi. Donc c'est ce que Ndeko Félix, jusqu'aujourd'hui, doit croire qu'il peut même créer une unité Mokoboye, il y a Batou Oyo Bako. Aux Olympiques, moi, bah, tout mon bayaka pour surprendre la police de roulage, Nanzela, Koloukapé, Koukoua, Sénir, parce que la bah, police de roulage est belle au moins à Congo, on a mis côté Sika Bangomoro pour la plupart. Donc, bah, qui bana, ancien soldat, avant Nanda Wakankokolo, bon, à Matina, et perrale, papa Betty Kopa, la salle, on dirait héréditaire, ni na formation, ni na éthique, moko bouillette. Donc, c'est un travail qui nécessite à ce que Bakongoli va s'y mettre dans ma boko. De façon que Oyo Tangi Yorana, parce que Tshisekedi n'est pas le seul, il y a eu Balumumba, Baluba Koutou Kenon, il y en a cité les Kimbangu, donc il y a eu le Sala Kenon, Congo, il y a eu le Mboka Moutou Abo, il y a eu le Miemia Moutou Moutou Zana Botosi. Donc, il y a eu le Soni Mboka Nabiso, il y a eu le Kanivo Izate, Mayambou les Zoumi Mabandaku, c'est une honte pour Nabiso Nyoso. Donc, ce n'est pas un défi lancé, il y a eu le Kakoulou Bakebon, il dépêche pour échouer. Félix a échoué, papa, mais ils ont sonné parce que si vous avez des vacances, et vous avez des vacances, vous avez des vacances. Pour que vous avez Félix, même après lui, ça sera le même défi au Moutoukoya après à vous rencontrer. Donc, ensemble, il faut tout le cas. Il ne peut pas faire une ouverture et ça. Il peut faire une pression. Il pression. Il continuer. Il peut faire une pression. Lui-même, Félix, permettez de l'appeler comme ça. A comme il peut remarquer que. Bato bazoué des abattus, tout bazoué, c'est ma vérité en face. Donc, c'est seulement ça. Je crois que le lambeau n'est pas tombé parce que Nakata a eu des personnes qui ont tapé Bamoussousou, qui sont restés des conservateurs entre eux, autres, Yopé, Ndeko Alain, Kindeke, Ndeko Roger. Donc, nous faisons tous ADN Wana et Tshisekedi dans l'esprit parce que ce n'est pas un Tshisekedi biologique que les gens sont en train de commémorer. Donc, c'est un esprit à nationalisme, à Rolukako, rebâtir Congo Wana. Donc, et donc, c'est ça un peu bien. Oui, donc, rapidement. On a dit que les lots gouvernement, les lots ceux qui. Mandat Félix n'est pas. Président Félix est scellé. Mandat est scellé, bah, échoué. On a dit qu'ils ont eu des pèses. Non, bah, tout le monde a échoué. Vous avez été que. Coalition n'est échoué. Il y a. Bah, tu as payé FCC ou bien Union Sacrée. Non, il y a eu des pèses à échouer. 5 ans, il a échoué. Rapidement. Ah, bon, normalement, le moni baloba toujours que l'infraction est individuelle, comme il n'y a pas de responsabilité, il faut qu'on tienne un mot selon Moutouna Moutou. Et je crois que les défis, mentalité, à cause de la perdant, ils auront mal à Moutou. Au moni, les gens sont tellement complaisants. Batoubaouta qui a Félix est là, il est entouré des gens, ou bazar complaisant, batoubaouta bazar arrogant. Et donc, lui, il souffre, c'est le loba toujours, qu'il est là, il écoute, à mon arabe, le local langage à Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound a le bien à Batouke. Ozo sala bouye, mais après, vous allez, Félix a fait ceci, Félix a, mais Batoumousso, bah, tout autour, ou à la base, écoute même pas là. Donc, l'échec, ils allaient, et l'okomoko, Batoumousso, bah, mon arabe, qu'ils allaient, bon, m'en fous, hein, mais moi, personnellement, Nazarana mentalité, ou à la, donc, y a coup de méca, si vraiment, comme il peut s'attendre tangente, la vie, de façon que échec est à la tête. C'est pas pour s'introniser, mais que ça ne fiche que. Donc, modèle, parce que Mandela, le bagaille, on a eu un peu de temps, mais ça, le mandat, il a eu un peu de temps. Il y a eu un modèle, il y a eu un peu de temps. Le reste, je ne sais pas. Donc, l'IDPS, moi, mon rêve, c'est que l'IDPS éthique ne fiche que l'empreinte de la démocratie. Pas le trafic d'influence, le détournement de tout le monde, les complaisants, ils sont prêts à faire des alliances avec tout le monde. Mai na mafuta et comme et sanganaka facilement et donc il faut garder ces hommes donc bah le lendo wana ya nini ya kozala bato yo batangisa malamu ya monna sai ko yawa même quand nous avons haussé les tons on voulait pas que tu zala ba famille moko ba miyibi les gens qui remplissent les fautes parce que les poches parce que les loyo mbongo bazozo na Congo na ba okeneli yango le monde a changé. Dans un âge internet, les informations vont vite. Oui, bambon ou tient étranger, mais le peuple est en train de regarder. Moi, je crois que conséquences, et que tant que ça m'outignon, c'est parce que nous avons cherché à prévenir Babilo Moussousou, mais comme il y a des gens toujours qui pensent que, donc, dans mon avant-andima,
tout à la rendez et zokene. Merci papa Alain. Merci papa Roger. Merci aussi, ça, papa Roger. Papa Roger. Oui, ma question est de Pastor Moulumba. D'ailleurs, côté il y a eu deux pèses bateau, Bazala qui n'a dernier, même n'a dernier moment, même n'a eu deux pèses. Au Bazan entourage à Félix, Bazan Mingité. Donc, Bazan peut-être des Bazan bateau, Baye, va parvenir de Tolobara. Baye pour nous accompagner, Ndekona Bango, camarades, frères, Nabango pour nous pouvoir, pour bateau, va travailler, Benana Etienne. Je pense pas que Bakondi, Bama Kamoussou, c'est Zou Salamande, Zou Sala. Photo Salara, Djalé le Totika, Photo Salara, Bouendego, Fachayuka, Mbokawana, Kigota, la moisi à. Ya neko lue oya uto konda uto kufa Lucia Luca Atanasio alobi d'abord isa nini na ya liboso il faut aluka acha pe na mboka soki pe ikoti na mboka to kuvanda nie to bi mboka ezongile za ki suya batinyoso bana Kongo pe bolala te foto la muka s'il foto bi mana balabala parce que mboka ne songa ndeza to kosala ngo to mobiliser batu tozonga tolongwa na bowumbo tozana ngo lelo parce que apparemment dire parce que mulomba otolo ba valise moko ba changer ka couleur yango la papa Roger tout sur lelo mission moi une minute paye parce que mulomba une photo clôturer mission ndeko je pense que c'est quand on bien c'est vous savez moi j'ai toujours pensé que quelque part tant que l'UDPS a combattu pendant 32 ans, ok, mais l'UDPS n'a pas été prête pour le pouvoir. Moi, je pense quelque part, et l'Ouane est à la solonacance, l'idée du pouvoir était là. Mais je pense que la formation est à Batou, que soit la ressource humaine, aux gens ont besoin pour avoir géré politique, il y a pouvoir en haut, que soit. Je pense qu'à un moment donné, l'UDPS a commencé à perdre ça. C'est comme ça que tant que le pouvoir n'était pas très prêt. Aux mondes, et comme que toujours dans le débat au Balilo, et comme que au Mona, finalement, on est en train de prendre des gens partis par là. Parce que, exemple simple, même Sam Aloukonde au Bazuyo Lelo, ok, il n'est pas de l'UDPS. Aux mondes, il est de la Cour. Bien qu'on nous dira, oui, son père, ceci, c'est là, mais non, son père a travaillé avec Kabila, lui-même, il a été ministre de Kabila. Aux mondes, donc, et d'ailleurs, plus loin encore, eux qui devaient bimiller les lobes, que non, il a même la nationalité française. Donc, quelque part, je dis qu'il y a réellement un problème, parce que est-ce qu'on ne pouvait pas forcément parce que prendre Moutou, il y a eu des tests pour consolider ce pouvoir-là. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire, ok, on va, c'est nous qui gérons, on va chercher quelqu'un de l'UDPS, ok, qui va gérer, mais qui va gérer en concertation avec les autres partis. Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire? Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas nous prendre, ça aurait été trop. Je pense que déjà, bon, Marc Kabound, avec tout le respect que je lui dois, il est président d'un grand parti, ok, intérimaire, bien que bon, on se posait qu'il y a des tas de questions sur ce statut-là de président à l'intérim. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que je pense pas que Jean-Marc Kabound était prêt à être premier ministre du Congo. Ok, je vois mal Kabouya à être premier ministre du Congo. Et c'est comme je t'ai toujours dit, c'est vrai qu'on aurait bien Jacquemin Chabani et tout ce que tu veux, mais il y a une guerre entre eux là qui fait qu'on n'aurait pas donné trop de pouvoir à certains d'entre eux à l'intérieur, un peu qui justifie justement Mme Pozoloba qu'il y avait, ils n'étaient pas forcément prêts pour ça. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Zélani Mbazo Kenenango avec qui Fachi sera obligé de travailler? C'est ça les vraies questions. Il y a un moment la Tozumi Nalikamunalobura. Quand tu ajoutes à cela la complexité et le paysage politique qu'il y a au Congo, il ne faut pas rêver de Kolangaï. Même Kabila s'est fait Kabila parce qu'il a piqué par-ci, par-là. Kabila a été Kabila, n'a pas de SSC, il y a des gens de l'UDPS, il y a des gens de l'IAPER, il y a des gens à Manani, il y a des gens à Manani, il y a des gens à Manani, il y a des gens à Kibalinga qui étaient Bazanaïe. Donc, quelque part, je pense qu'on va voir cette petite métamorphose-là pour que Félix puisse consolider son pouvoir, parce que c'est encore une fois, il en va. Il y a complexité, il y a paysage politique congolais qui est très, tellement. Au moins, dynamisme, on va congolais, on va la politique, et ça, à Spouka. Parce que dynamisme, ils ont la rabbien, dynamisme, ils ont la rabbien, parce que les éléments dynamiques, et ça, la raison, la nanzela, mon poésie, a désordre, t'es. Mais à l'issue de nos hommes politiques, parce qu'ils n'ont pas de vision politique, ils n'ont que des intérêts politiques, ok, sans vision politique, parce que les intérêts politiques, tout le monde est en route. Mais il y a un intérêt politique, et il y a la vision politique. Aux autres, et pas une seule vision politique, elle a été. Là, on a le bâtiment à partir de nos fonds, on est à Congo, à partir de nos fonds, à peu près, d'aligner politique moraux.
social-démocrate, la plupart de ces partis. Bien, bon, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y quelque part, quelque part, on est dans ce paysage qui est très unique à Congo, un grand pays. La langue bandekoba, comment ça là, peut-être au photo sur le débat, on a pasteur, d'auto préparant, ou bientôt sur le débat. Le débat, ce sont à Léon, à table, par exemple, sur la forme de l'État, forme unitaire, forme fédéraliste, la décentralisation, le régionalisme, tout ça là. Mais tout ça, c'est des visions, parce que Bandeko, on a le cas, des missions passées, on a le cas, Bandeko à Katanga. Bah, ils sont très fédéralistes. Pour la Mango, le fédéralisme, c'est important parce qu'ils sont riches, ils estiment que bon, la Mango, il faut agir le plus possible, va digérer, parce que ma décision, la Mango. Ça se justifie, on ne les blâme pas pour ça. On ne les blâme pas pour ça. Mais Bandeko, la région pauvre, l'unitarisme. Alors, tous ces gens-là, quand tu vas dans les visions politiques de Kolangaï, il faut réunir ces gens. Et je te dis que chaque jour, ça tient 20 Dakar. Quand on aura toujours la conversation politique, hein, pour la conclure, conversation politique, il y a des médias, il y a public, hein, et ça va mingi sur des débats très, très, excusez-moi l'expression, mais le débat là, il y a normal. Ok? Maintenant, le matin, il y a un moko. Ok? Donc, pasteur Jean-Paul, peut-être, bah, oui, ce que je dis. Là, il y a des gens qui ont à cause, il y a Ndenge, il y a Famille Zaraki. Dans un milieu politique, ça veut dire que quand tu vois des hommes politiques, des chefs coutumiers, Papa, je vais te dire une chose, des conversations, ce n'est pas les mêmes conversations que toi, c'est des vraies conversations. C'est-à-dire que tu es toujours bas sur la forme de l'État, sur ma influence, ma sécurité, ma influence, ma problème tribu, ma tribu, ma yance, ma sauce à la boyer, mais ce côté, ma territoire, ma vie, ça l'unité la boyer. Tout ça là, ça veut dire qu'il faut gérer tous ces problèmes, puis les conflits à la terre, les conflits à la boyer. De toute façon, il y a un problème à l'Est. Les autres, il y a un problème à l'Est. Il y a un coin au Nini, il y a un coin au Nini, à la petite, le coin à l'Est, il y a Ouberouana. Minembwe. Mais quand tu parles de Minembwe, tu le bas qui n'a pas fait un analyse, tu n'as pas vu qu'il y a tout un tas d'influences, il y a ma tribu qui ont des intérêts différents. Bah, oh, bah, ça va éleveur, bah, oh, ça va commerçant, bah, oh, ça va un peu très tôt, un peu nomade, parce qu'ils élèvent, bah, qu'ils n'allaient partout, par-ci, par-là. Les autres, c'est des agriculteurs, ils estiment que beaucoup, il y a un intérêt à acheter. Ça, ce sont des choses, un politicien, à Congo, il gère, à chaque jour. C'est-à-dire qu'on va dire que le chef coutumier en bas, il va dire qu'il va être éclaté. Il va être tard, il va être et comme ma mère, parce que on va être salamoué. On va dire que ce qu'on a c'est que le chef coutumier est en valeur, il y a 100 millions de dollars. Il faut gérer ça. C'est ça la complexité de la politique, de paysage politique congolais. Et c'est ça que, au moment là, avant de faire former un gouvernement, il faut réfléchir à tout ça. Quelles sont les influences, quels sont les intérêts? Du point de vue à Fatih, place à Vandiana, je pense que c'est des réalités auxquelles il est en train de faire face qu'il n'avait même jamais prévu. Parce que lui pensait peut-être que faire le pouvoir, c'est de prendre des décisions. Ce n'est pas de prendre des décisions. Il faut que ce soit les bonnes décisions. Merci. Ces décisions sont prises en fonction de beaucoup d'éléments. Au moment là, dans les noms, même Kamoun, quand il parle et tout ce que tu veux, il se rend compte de ça. Kamoun parle à des gens avec qui il ne pouvait jamais parler. Kamoun a maté cheval na Oubé. Yann Dimay qui a maté cheval na Oubé. Voilà, merci Papa Tosisi. En tout cas, tu dépasses le temps. Merci encore Papa Roger. Tu as un week-end. Ouais. Merci Ndeko Gervé. Merci Matunio Soba et Débissona Technique. Merci Maman Boussel. Merci Pasteur Molumba. Tu as un week-end. Ouais. Et Zalaki, émission Togoloba, Télé 24 et Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.